Chose promise, chose due, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, en abrégé PCRN, a tenu samedi 18 juillet 2020 le début de ses activités proprement dit au Royaume de Belgique. La ville d'Anderlecht, Bruxelles, a servi de lieu. Au programme, adhésion massive, sensibilisation et éveil des consciences pour une diaspora réactive. Avec une table ronde en fond de toile autour de la thématique « La double nationalité, droit originel ou avantage économique ». Monsieur Kamoué, membre du PCRN et coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens, s'exprimera en 10 points pour le pourquoi adhérer au PCRN. Nous avons voulu lancer cette journée pour inviter les Camerounais de tout le triangle national de la Belgique à adhérer au sein de notre mouvement politique. Pourquoi adhérer au PCRN en fait? Pour contribuer à construire un Cameroun meilleur, plus juste, plus humain et plus sûr. Vous êtes sans ignorer que le Cameroun traverse depuis de nombreuses années des turbulences au niveau de sa gestion et que les pronostics ne sont pas beaucoup à l'avantage de la gestion de ce pays-là. Donc, nous invitons les Camerounais à rejoindre notre parti pour construire un Cameroun plus sûr, plus humain. Pourquoi adhérer également au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, pour combattre la misère, les inégalités, le chômage, la précarité, l'insécurité, les guerres, la pauvreté? Pourquoi adhérer également au PCRN pour prolonger son action citoyenne par un engagement concret au sein d'un parti politique? Beaucoup de Camerounais ne veulent pas s'engager. On se demande pourquoi. Ils restent en arrière pour jouer les spectateurs. Avec le PCRN, nous aimerons les inviter à agir, à être au devant de la scène, à contribuer à l'action sociale, à venir parler leur voix, se faire écouter. Venez également au PCRN par désir d'échange des idées, de débattre, de confondre les convictions et celles des autres. André Parfait Niemek, membre du parti et modérateur du jour, donnera tour à tour la parole à ses camarades. Quant à Paul Gouet, chargé de mission à la présidence du PCRN, voit un vécu politique. C'est ce qu'il qualifie de perspective de régénération. Je me retourne vers le chargé de mission à la présidence, M. Paul Gouet Matip, pour qu'il essaye de nous exprimer son enthousiasme et comment transmettre cette énergie aux autres pour finalement faire partir et décider de rejoindre le parti politique PCRN. Pour ma part, après de longues décennies de crispation du système étatique, nous comprenons les réserves des Camerounais aujourd'hui à voir un peu comme un petit recul quant à la chose politique. Il faut dire que pendant plus de 60 ans ou encore plus, le système a travaillé contre les Camerounais en les dépolitisant complètement, par la fragmentation sociale et tout ce que cela pouvait comporter. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait toujours tenir compte de la chronologie du temps. Le temps prête, la mentalité change, le monde s'ouvre, les gens s'interrogent et puis on arrive à un moment où la société camerounaise elle-même a envie de se régénérer. C'est dans cette perspective que nous appelons tout le monde. Nous sommes déjà des convaincus. On ne prêche pas un convaincu. Mais moi, je suis focus, comme on dit, sur l'avenir du PCRN avec tous les Camerounais. Solange Ngo-Kinyok, femme dynamique, dentiste de profession et membre du PCRN, voit la diaspora camerounaise de Belgique une ressource de compétences et un savoir-faire pour l'État du Cameroun. C'est ce qu'elle décrit comme le retour de l'ascenseur. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien nous amener à rejoindre très très vite les rangs du PCRN, surtout pour nous qui sommes ici dans la diaspora? Nous sommes sans ignorer que la problématique de la diaspora est au cœur également du projet de société du PCRN. Donc, nous sommes tous concernés par la double nationalité. Heureusement pour nous, ce sujet sera débattu. C'est l'un des problèmes que la diaspora attend vivement des solutions. Nous avons vraiment envie de retourner l'ascenseur à notre pays.
mais en même temps, nous souhaitons qu'il y ait des conditions qui sécurisent nos actions. Nous aimerons repartir, échanger au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, mais tout ça demande un certain encadrement. Donc, pour nous, surtout ici dans la diaspora, c'est l'occasion de saisir ce cadre que l'OPCRN nous offre pour exprimer nos envies, nos attentes, et pour proposer aussi, par ailleurs, ce que nous sommes prêts à apporter au Cameroun. Toutefois, ce retour de l'ascenseur par cette diaspora ne pourra mieux se faire que si, et seulement si, la loi le permet, en donnant une sécurité et une marge d'action permettant à toute cette vaillante diaspora et compétente d'exercer librement au Cameroun tout leur savoir acquis à l'étranger. Une autre femme dynamique et membre du PCRN, Héloïse Angé, définit son parti comme un mouvement politique qui libère les énergies, favorisant l'entrepreneuriat. Nous permettons à tous ceux qui ont des projets, des activités à faire ou à proposer, de le faire chez nous, dans le PCRN. Quelques échanges et interventions entre membres du parti et l'assistance meubleront cette première partie du jour. Donc, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui différencie le PCRN de ses partis. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui peut motiver un Camerounais ou bien un sympathisant à choisir plutôt le PCRN? Nous faisons la promotion de la vérité, de l'amour du prochain et de la paix. Ça veut dire quoi? Nous voulons un État qui est complètement métamorphosé, qui change dans tous les sens du terme. C'est pour ça que nous appelons les Camerounais de tout âge de militer au sein du PCRN. Jusqu'à maintenant, les jeunes n'aimaient pas la politique, jusqu'en 2018, ils n'aimaient pas s'engager. Vous avez vu, nous avons des maires qui sont jeunes, qui ont moins de 35 ans. Nous avons des conseillers municipaux qui ont moins de 30 ans. Parce que quoi, on les a donné une occasion, ils peuvent venir s'exprimer. Et au sein du PCRN, nous ne connaissons pas le mot tribalisme. On s'identifie à n'importe quel Camerounais, qu'il soit du nord, du sud, du centre, de l'ouest. On s'identifie comme Camerounais et non comme Camerounais de telle ethnie. Donc au niveau du PCRN, nous voulons vraiment un changement radical au niveau des comportements, des mentalités et la façon de penser et de voir l'avenir du Cameroun. Pour l'instant, nous avions dit lors des campagnes de 2018 que nous allons faire la vulgarisation de l'agriculture, que nous allons faire de l'agriculture notre base au niveau de l'économie. Cela se fera parce que nous avons gagné 5 mairies, 7 mairies autant pour moi. Dans ces mairies, les Camerounais sont tout à fait libres maintenant et aller avec leurs projets agricoles. Et que la mairie qui est PCRN ne pourra que soutenir. Parce qu'on s'est rendu compte que nous sommes un pays pauvre. Nous n'avons pas d'industrie est tellement en lambeaux. Et on s'est dit, l'agriculture vient du sol. Pourquoi ne pas faire la promotion de l'agriculture pour atteindre les objectifs du développement dans notre pays? Le Parti Camerounais pour la Reconciliation Nationale lance un appel à tous les Camerounais qui peuvent désormais faire prospérer les projets agricoles dans nos 7 mairies. Mais comment est-ce qu'au Cameroun, dans les régions, vous pouvez créer des communautés? C'est quasi impossible. Parce que dans les régions, les gens viennent de partout. Il y a plusieurs tribus. Comment est-ce que vous allez pouvoir les rassembler en communauté, quitte à créer cet élan de solidarité et de vivre ensemble vers un seul et même but? On n'a pas tous les experts ici. Nous pourrons revenir sur ce sujet. Je peux vous inviter à voir des gens comme Charles Gabriel Mbok qui ont travaillé sur ce sujet. Je peux vous inviter même à voir Cabral qui a travaillé Armand Ocol. Il y a de cela 2 semaines, il avait travaillé sur ce sujet avec Christian Diop. Voilà. Je vous invite vraiment à écouter un peu cette émission. C'était vraiment très, très, très bien défendu parce que là, on avait non pas seulement les gens qui ont appris, comme nous pouvons l'apprendre là, mais ce sont des gens qui sont, de par leur formation, linguistes, anthropologues. Bon, je suis désolé, mais je vais faire un petit résumé de ce que nous avons fait jusque-là. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle encore qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre, c'est-à-dire de sensibilisation et d'adhésion au parti PCRN. Notre objectif, c'est de sensibiliser, d'une part, les Camerounais à se réconcilier avec la chose politique et surtout
à prendre à faire leur classe et leur chemin au niveau de la gestion de notre pays au travers des partis politiques. Sur vos tables, en fonction de votre sensibilité, si vous sentez que vous pouvez adhérer, nous rejoindre dans notre dynamique, il y a les formulaires sur la table où vous pourrez vous inscrire, que vous allez nous remettre après. Puis viendra la table ronde, moment tant attendu de tous. La thématique, la double nationalité, droit originel ou avantage économique. Sur la scène, un panel de qualité. Le professeur Thierry Amougou, économiste et conférencier. Que puis-je vous dire? Je vais vous dire des choses simples. Des choses simples, telles que j'entends le problème et comment est-ce que je le décline. Il faut savoir que nous sommes dans un contexte de mondialisation. Et ce contexte de mondialisation entraîne plusieurs modifications sur l'État, sur ses allégeances suprêmes, nationalité, citoyenneté, territoire. Lorsque l'environnement de l'État change, ses allégeances suprêmes-là changent aussi. N'oubliez jamais que l'État n'est pas, l'État devient toujours. L'État, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans une dynamique de façon à s'adapter à l'évolution de son territoire, à l'évolution de son contexte, à l'évolution de la nature de sa population. Donc, si vous avez une population dont la nature change, parce qu'il y a plusieurs qui migrent dans ce contexte de mondialisation, l'État a le devoir de s'adapter à cela. Donc, je vais vous entretenir dans cette direction-là. Vous montrer que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de mondialisation et qu'un État moderne qui va être pertinent et efficace dans ce contexte-là se doit d'avoir une certaine dynamique pour s'adapter au contexte et notamment s'adapter à l'évolution de la structure et de la nature de sa population. Alors, je vais insister sur quelques aspects. Le premier aspect, c'est la mobilité. Nous sommes dans un contexte de mondialisation où le paramètre mobilité est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui régit l'économie financière, c'est lui qui régit le commerce international, c'est lui qui régit les mouvements des capitaux et c'est lui qui régit également les mouvements des hommes. Le paramètre mobilité n'est pas seulement utile à ce niveau-là, il est également utile sur le fait que pour s'intégrer dans ce monde mondialisé, il faut être mobile. Donc la mobilité devient un critère de performance pour les individus, pour les populations. Être capable de mobilité vous permet de mieux vous intégrer. Cela veut dire que les populations dans de nombreux États sont obligées de se déplacer parfois pour s'intégrer dans ce monde-là. Alors l'enjeu c'est quoi par rapport à cette mobilité? Si la mobilité devient un critère à travers lequel nous devons nous intégrer dans un monde mondialisé, ça veut dire que cette mobilité-là doit être sécurisée. On ne doit pas être dans une situation de mobilité insécurisante. Et si on n'a pas la double nationalité, ça peut être une source d'insécurité pour plusieurs. Vous voyez ? Donc, cette mobilité est quelque chose que les États doivent sécuriser en permettant à ceux qui se déplacent de ne rien perdre parce qu'ils se sont déplacés ou parce qu'ils vivent ailleurs. Ça, c'est extrêmement important. Donc, sommes-nous dans une mobilité qui est conservatrice, c'est-à-dire si tu bouges, c'est perdu, ou alors sommes-nous dans une mobilité émancipatrice qui permettra aux gens de bouger sans perdre leurs acquis? Ça, c'est extrêmement important comme enjeu. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Les États ont le devoir de sécuriser la mobilité de leurs citoyens.
Et une façon de sécuriser cette modernité, cette mobilité, c'est de permettre à leurs citoyens de ne pas perdre leurs acquis parce qu'ils se sont installés ailleurs ou alors parce qu'ils ont trouvé tout simplement que l'herbe était plus verte ailleurs. Premier paramètre important. Deuxième paramètre important, c'est la citoyenneté. Ce qu'on appelle la citoyenneté mondiale. Nous devenons tous des citoyens du monde. Si nous devenons tous des citoyens du monde, ça veut dire que cette citoyenneté doit avoir des droits et des devoirs. Au jour d'aujourd'hui, il y a une grande carence. Lorsqu'on dit citoyen du monde, on voit uniquement beaucoup de devoirs. On ne voit pas les droits. Un des enjeux aujourd'hui, c'est de permettre à cette citoyenneté mondiale d'exister aussi en termes de droits. Et un des droits à ce niveau, c'est de pouvoir travailler pour qu'il n'y ait pas une incompatibilité entre la citoyenneté mondiale et la citoyenneté nationale. Dans le cas du Cameroun, nous avons une rupture totale. Une fois que vous devenez, je peux dire, un global trotteur, et que vous avez une citoyenneté qui n'est plus, une nationalité qui n'est plus celle du Cameroun, ben vous la perdez automatiquement. Vous voyez que vous n'avez pas là un État moderne qui est capable de s'adapter à ce monde-là et de vous permettre de ne pas être dans une logique de choix cornélien entre quelqu'un qui vit ailleurs, qui travaille ailleurs, et quelqu'un qui va garder sa nationalité camerounaise. Donc, deuxième enjeu ici, l'enjeu de citoyenneté mondiale. Est-ce que parce qu'on devient un Belge, voilà, cela nous rend indignes d'être camerounais? Enjeu très important. Autre enjeu sur lequel je voulais vous entretenir, c'est la souveraineté. La souveraineté. La double nationalité est une chose extrêmement importante pour la souveraineté d'un État. La double nationalité n'est pas seulement un danger tel que le Cameroun l'approche, c'est-à-dire la diaspora qui est peut-être assez active concernant la contestation, va concurrencer ceux qui sont sur le plan local ou alors le système en place. La double nationalité permet à un État de prolonger sa souveraineté. C'est-à-dire, c'est une façon pour un État de dire, vous êtes les miens, et quoi que vous deveniez, je garde ma souveraineté sur vous. Vous êtes toujours les miens. Ça veut dire que je peux toujours vous mobiliser, quelle que soit votre nouvelle nationalité. Donc, c'est une extension de la souveraineté. C'est extrêmement important. Donc, un État moderne qui ne voit pas qu'à travers ses diasporas, il étend sa souveraineté. J'ai beaucoup d'amis au Rwanda qui étaient banquiers, professeurs aux États-Unis à gauche à droite, et qui sont tous au Rwanda actuellement. Parce qu'ils ont gardé la double nationalité et que Kagame est arrivé, il a dit, moi j'ai besoin de vous. Quelqu'un en poste à la banque, il dit, viens, je te donne le même poste ici, le même. Et tous ces gars-là sont rentrés au Rwanda et occupent les postes au Rwanda et travaillent au Rwanda. Donc il a bénéficié de ce capital humain, de cette expertise, parce qu'il avait la possibilité, il avait une souveraineté étendue grâce à la double nationalité. Lorsque vous ne l'avez pas, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas mobiliser ce capital humain qui aujourd'hui fait les beaux jours du Rwanda dans de nombreux domaines. Un autre aspect sur lequel je voulais insister, en dehors de la souveraineté, c'est donc la continuité de la nationalité. Pour que cette souveraineté soit effective, l'État doit permettre à la nationalité d'être continue. Même si on n'est plus dans le même territoire, même si on a pris une autre nationalité. C'est une façon pour le Cameroun de dire, malgré le fait que vous soyez devenu belge, américain, je ne sais pas, français, la nationalité camerounaise n'est pas exclue par cet acte-là. Elle est toujours en vigueur. Elle joue toujours. Donc le Cameroun a toujours cette souveraineté dont je parle sur vous et qui s'étend. Ça veut dire que cette nationalité elle devient plastique, elle devient élastique. Ce n'est pas le fait d'avoir la nationalité belge qui va l'annuler. Ça devient même quelque chose qu'on ne peut pas du tout annuler. Et ça, c'est extrêmement important pour un pays. C'est extrêmement important pour un pays. Ça veut dire que d'autres peuvent vous employer, d'autres peuvent vous donner du travail, d'autres peuvent même vous intégrer dans leur système, mais le pays vous dit, la porte est toujours ouverte.
La porte est toujours ouverte. Je peux à tout moment faire appel à vous. Et si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Donc, ça, ce sont des aspects extrêmement intéressants sur lesquels j'ai voulu vous entretenir, vous montrer que dans ce contexte-là, nous sommes dans une situation où la souveraineté de l'État s'étend à travers cette nationalité qui reste. La nationalité elle-même devient une continuité. Et puis, cet État nous permet d'être des acteurs mobiles sans courir un risque d'insécurisation parce qu'on a été mobile. Donc l'objectif ici, c'est de sécuriser la mobilité. La mobilité ne doit pas devenir un facteur insécurisant, un facteur qui vous enlève des droits parce que vous vous êtes déplacé. Dans le contexte de mondialisation, la mobilité est un facteur d'intégration, un facteur d'adaptation. Donc, une fois que j'ai dit cela, ces critères, c'est-à-dire l'État camerounais, ne peut profiter de cette diaspora que s'il travaille sur ces critères-là. Sécuriser la mobilité, c'est-à-dire perfectionner encore sa souveraineté, l'étendre au niveau extraterritorial, assurer la continuité de la nationalité malgré l'endroit où vous vivez, et également rendre donc ces allégeances plastiques. Une fois qu'il a fait cela, alors il pourra utiliser la diaspora comme ressource culturelle. La diaspora devient une ressource culturelle. Ça veut dire que vous êtes l'extension ou alors l'extraterritorialisation de la culture camerounaise, partout où vous êtes. Et il ne peut agir ainsi que s'il a justement assuré votre sécurité et que s'il a étendu sa souveraineté sur vous. Autre avantage qu'on peut tirer, c'est l'avantage économique. Vous avez occupé des postes à gauche à droite, vous avez établi des coopérations à gauche à droite. Cette double nationalité vous permettrait de faire des transactions ou alors des affaires au Cameroun ou développer des entreprises de façon plus facile. Vous voyez que ça diminue ce qu'on appelle le risque d'investissement. Lorsque vous allez avec un associé au Cameroun et que votre nationalité camerounaise vous permette de réduire le risque lié au contexte, c'est un atout favorable pour celui qui veut investir au Cameroun. C'est-à-dire, vous n'aurez plus les mêmes difficultés que quelqu'un qui n'a plus cette nationalité-là et qui doit, en tout cas, respecter un ensemble de contraintes pour avoir accès à certaines ressources ou alors pour pouvoir implanter certaines affaires. Donc, vous voyez là que ça facilite même l'investissement économique de la diaspora au Cameroun. Donc, on profite mieux à ce niveau de la ressource économique, de la diaspora comme ressource économique. Et c'est également en étendant cette souveraineté, cette nationalité et en assurant la mobilité qu'on peut faire de la diaspora une ressource diplomatique. La diaspora devient une extension. Elle devient les yeux et les oreilles du pays. Elle travaille pour vous à l'extérieur. Et c'est une ressource diplomatique. Vous êtes dans de multiples secteurs. Vous avez de multiples coopérations. Vous travaillez en fait pour le pays. Vous êtes un peu, en fait un citoyen à double tête. Au point où l'État peut compter sur vous justement parce qu'il vous a gardé comme le sien, parce qu'il vous a rassuré que vous êtes toujours ses enfants et parce qu'il vous assure que quoi que vous soyez devenu, vous êtes toujours Camerounais. Et c'est pourquoi vous allez travailler pour lui. Parce que vous savez que c'est toujours mon pays. Et quoi qu'on devienne, on rêve toujours de rentrer chez soi, d'aller faire du business chez soi, ou même d'aller vivre sa retraite chez soi. Ça, ce sont des aspects extrêmement importants. Et c'est également sous ces conditions-là que la diaspora, que le pays, le Cameroun, peut profiter de sa diaspora comme quoi? Comme capital humain. Le capital humain, c'est quoi? C'est l'ensemble des connaissances. L'ensemble des connaissances qu'on suppose connues par un individu, maîtrisées par un individu, et qu'on suppose comme étant le référent, comme étant le signe de sa compétence. Donc, ce capital humain, comment est-ce que le Cameroun peut le mobiliser s'il ne lui appartient plus? S'il n'a pas étendu sa souveraineté sur vous, sur nous, s'il n'a pas étendu la nationalité de façon extraterritoriale. Je vous dis, regardez un peu ce qui se passe au Rwanda. Moi, j'ai des collègues au Rwanda. Ce que Kagame fait, quand il vient en visite en Europe, il demande à la diaspora de rentrer
Si vous êtes banquier, je dis, j'ai une banque à Kigali. Je vous donne le même poste, mais vous allez travailler chez vous. Et il peut le faire parce que ces gars-là n'ont rien à craindre. Ils ont la double nationalité et ils sont d'autant plus heureux qu'ils vont occuper ces postes-là chez eux. Donc, mobiliser ce capital humain ne peut se faire que sous ces conditions-là. Sinon, on commence à vous considérer comme un expatrié. Moi j'ai eu à faire un cours à l'IRIC il y a 3 ans, invité par les doctorants de l'IRIC. Et lorsqu'on me parle de ce qu'on va me donner comme salaire, on me considère comme un étranger, donc on me taxe. Voilà, on dit comme vous êtes étranger, vous êtes expatrié, donc voici le taux d'imposition, machin, tout ça. On enlève. Voilà. Ça va inciter qui allait travailler là-bas. Déjà que je ne suis même pas allé enseigner, parce que si tu regardes ça, tu ne pars pas. Tu pars enseigner là-bas parce que tu as quelque chose en toi. J'ai été formé, je suis parti du Cameroun, j'avais une maîtrise en économie. Donc des gens m'ont enseigné. Et nous vivons avec ce souci, ce désir d'aller donner aussi à nos petits frères, nos petites soeurs ce qu'on a reçu. Hein? C'est d'abord ça qui m'amène au Cameroun. Ce n'est pas ce qu'on va me donner là. Hein? Donc vous voyez que ce genre d'initiative, quand vous voyez comment on vous traite et qu'on vous considère comme quelqu'un qui n'est plus de là, ou alors quand vous voyez comment vos collègues sont même inquiets parce que vous avez l'intention de venir là, voilà, c'est d'abord ceux qui vous connaissent qui mettent la barrière. Hein? Donc, vous ne pouvez pas. Votre capital humain, ben moi j'enseigne ici les Blancs. Hein? Je paye les impôts pour les Blancs qui n'ont jamais rien payé pour mon éducation. Hein? Je suis venu parachever mes études ici. Ça veut dire que le Cameroun dépense les sous sur moi jusqu'à maîtrise et je paie les impôts en Belgique. C'est un manque à gagner énorme sur le plan économique. Hein? C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci. Voilà, merci. Les notions de pluriel, nationalité, citoyenneté multiple, état conservateur ou état jeune et la loi du 18 juin 1968, docteur Yina, philosophe et conférencier, s'y connaît mieux. Je voudrais pour ma part, si vous voulez, avoir une lecture beaucoup plus analytique, si vous voulez. C'est-à-dire que je voudrais analyser ce débat à partir d'un point de vue, je dirais, de la philosophie de la science politique, mais qui se voudrait, entre guillemets, neutre. C'est-à-dire que je ne suis pas critique à l'égard de l'État, je ne suis pas non plus favorable à l'égard de l'État. Il faut que les choses soient très claires sur ce point-là. Et donc, parce qu'il me semble qu'avec une telle perspective, on peut vraiment comprendre ce qui est en jeu. Parce que cette question n'est pas une question simple. Il est facile, et c'est très courant, de tout de suite dire on est tous favorables pour la question de la double nationalité. Le problème, c'est que quand on commence à examiner en profondeur cette question, les choses ne sont pas si simples. Et donc, si le pouvoir d'État au Cameroun freine des quatre fers par rapport à cette question, si le président Biya est sur cette question immobile, bon, vous me direz, il n'est pas seulement immobile sur cette question, il est immobile sur plusieurs autres questions, et donc ce qui explique un peu la situation du Cameroun actuellement, mais spécifiquement cette question, il est vraiment immobile. Donc le prince est immobile, mais pourquoi le prince est immobile? Il y a une réflexion à développer derrière cette immobilité. C'est ce que je voudrais faire avec vous ici, partager cette réflexion pour qu'on puisse après discuter, si vous voulez. Alors, j'ai pour ma part retenu, justement par rapport à cette démarche, 5 petits points rapides qui vont faire une photographie un peu de la perception que moi j'ai justement de ces débats. D'abord, je voudrais dire un mot sur le contexte, c'est-à-dire le contexte du débat, le contexte d'énonciation du débat. Ensuite, très rapidement, dégager les principaux enjeux, parce que pour moi c'est très important. Et puis, derrière les enjeux, il y a un sens politique qui se dégage. Quel est le projet politique qu'il y a derrière la question de la double nationalité? Je mets ça entre guillemets parce que pour moi, le concept qui est le plus approprié n'est pas celui de la double nationalité. Mais on va en parler. Et puis, quatrième point, c'est évidemment, après le sens, c'est l'impact, les conséquences qu'il y a derrière ce sens. Et puis, enfin, évidemment, comment se projeter dans l'avenir. Voilà les 5 points sur lesquels je vais très rapidement aller. Et puis, évidemment, on pourra, dans le détail, si vous voulez bien, discuter. Alors, d'abord, la question du contexte, le contexte d'énonciation. Vous savez qu'il y a un grand débat conceptuel sur la question. Alors, ce débat conceptuel, d'abord, porte sur les termes qui sont utilisés. Ici, on parle de double nationalité.
Et c'est même le débat qui domine en fait les discussions politiques au Cameroun. Mais en fait, derrière la question de la double nationalité, c'est la question en fait, c'est l'idée que en dehors de sa nationalité, je dirais, d'origine et première, on peut aspirer à une nationalité supplémentaire. Voilà. Donc c'est là où on passe à la double nationalité. Mais ce supplément peut être multiple. Donc on peut aspirer à une triple nationalité, on peut aspirer à une plurinationalité. D'ailleurs, je pense que votre président Cabral Libi parle de plurinationalité. C'est dans cette perspective qu'il se situe. Et donc, la plurinationalité, en fait, c'est l'idée qu'on peut aspirer, en tant que citoyen, à une allégeance multiforme qui va vers plusieurs États, vers plusieurs nations. Et donc, ça peut être la nation d'origine, mais ça peut être d'autres nations. On est en Belgique, on peut avoir une nationalité camerounaise, belge, et en même temps aussi une nationalité américaine et italienne. Alors, en sciences politiques, on a une notion qui identifie clairement ce concept-là. On parle en fait de la nationalité à trait d'union. Donc, on est italo-belgo-camerounais, par exemple. On appelle ça les hyphenated. Ça fonctionne très bien, c'est pas nouveau. Alors, donc, la difficulté derrière ce concept, en fait, de nationalité multiple, c'est que, en fait, de nationalité, on parle, on énonce nationalité, mais en fait, ce qu'on nomme, ce qu'on désigne, c'est la citoyenneté. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. C'est même pas tellement de nationalité, mais c'est plutôt la citoyenneté. Et donc, quand on parle de citoyenneté simple ou multiple, de quoi parle-t-on? Alors, la citoyenneté, c'est simplement le fait d'appartenir, évidemment, à une cité. C'est être membre d'une cité qui, aujourd'hui, est à l'échelle de l'État-nation. Voilà. Alors, cette allégeance à l'État-nation, à la fois, confère des droits et des obligations, comme a dit Thierry tout à l'heure. Alors, ces droits et ces obligations, une fois qu'on a 3, 4, 5 nationalités, ou cette citoyenneté, eh bien, on démultiplie aussi ses obligations. Donc, courir derrière la plurinationalité, c'est courir à la fois derrière une augmentation de droits, mais aussi une augmentation d'obligations. Il ne faut pas oublier qu'on a des obligations quand on veut aspirer à des choses. Et c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Alors, si vous voulez, c'est ça, je ne veux pas aller plus loin dans le concept, dans l'énonciation conceptuelle, mais c'est un peu ça le débat, si vous voulez. Et ce n'est pas un débat gratuit, parce que c'est un débat qui a même toute une histoire au niveau de la philosophie. Quand on est citoyen, en fait, on signe un contrat avec son État. Quand on a deux États, on signe un contrat avec deux États. Et donc, c'est ça qui fait référence, par exemple, à l'État, au contrat social chez Jean Rousseau, par exemple, au pacte civil chez Thomas Hobbes. Donc, ce n'est pas des notions simples. Juste un point, je ne vais pas aller plus loin. Ensuite, derrière l'énonciation conceptuelle, maintenant, pour revenir vraiment à un truc qui marque le Cameroun, c'est historiquement, comment s'énonce le débat au Cameroun? Eh bien, au niveau du débat au Cameroun, c'est bien entendu la loi du 11 juin 1968, et précisément les articles 31, 32 et 33. Ce sont ces débats qui cadrent, si vous voulez, qui codifient, entre guillemets, la question de la pluricitoyenneté ou de la citoyenneté multiple. Eh bien, dans ces trois articles que je ne vais pas analyser ici, je ne suis pas juriste, même si je m'intéresse au droit, eh bien, on énonce clairement que la binationalité ou la plurinationalité n'est pas interdite. Elle n'est pas formellement interdite. C'est-à-dire, dans ces éléments de droit, eh bien, les femmes, par exemple, peuvent effectivement avoir une double nationalité. Donc, la femme constituant la moitié, si vous voulez, de la catégorie sociale des immigrés, de la diaspora, on peut considérer qu'une moitié du problème ne se pose plus. N'est-ce pas, Thierry? Voilà. Deuxième point extrêmement important, et qui est tout à fait juste, et sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec Thierry, il y a effectivement le fait qu'en 1968, on est dans une conception de l'État qui est, je dirais, plutôt conservateur, avec des motivations politiques. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est l'État qui est jeune, qui est naissant, qui est fragile, qui se met en place, eh bien, se méfie de tout ce qui peut le déstabiliser, notamment de toutes les individualités politiques qui ont émigré pour des raisons précisément politiques, hein, des raisons qui sont liées évidemment à la torture, à une dictature qui était en place, et on ne peut pas le discuter. Mais ces gens qui s'en vont à l'extérieur,
on les connaît, la plupart des grands, leaders politiques sont partis à l'extérieur justement pour pouvoir continuer la lutte politique. Ah ben, ces gens-là constituaient une menace pour l'État. En tout cas, la perception que l'État avait, c'est que ces gens-là étaient une menace pour lui, pour son existence, pour son fonctionnement. Donc on est là, au cœur de ce qu'on appelle la raison d'État. Je décide de priver de nationalité tout ce qui s'en va, parce que j'estime que si je les laisse faire, ils peuvent déstabiliser l'État. Et si l'État est déstabilisé, je ne peux plus assurer la gestion du territoire, je ne peux plus assurer la sécurité de mes concitoyens, où qu'ils soient, je ne peux plus assurer le bien-être de mes citoyens. On peut évidemment discuter de la qualité de ces motivations, mais ce sont ces arguments qui sont avancés, et ça a du sens. Ce n'est pas absurde. Aïdio n'est pas un fou qui commence à prendre des lois juste pour mettre tout le monde au pas. Tout ça a du sens, voilà. Et puis, on fait un saut entre 1968 et aujourd'hui, on est en 2020. Le problème se pose toujours et ça commence à agacer énormément de monde. Évidemment, et pour tout un tas de raisons sur lesquelles Thierry est revenu pour certaines d'entre elles. On a une diaspora qui représente 1/5 de la population du Cameroun. 1/5, c'est énorme, c'est énorme. Ben, cette diaspora-là, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, est-ce qu'on peut continuer à l'exclure de toute une série de choses en raison des motivations de 1968 ou pas? Le raisonnement consiste à dire aujourd'hui qu'il faut s'adapter. Et il a raison de le dire, Thierry, le monde est ouvert. On est dans un contexte de circulation, de mobilité qui est tel qu'on ne peut plus continuer à ignorer le 1/5 de la population du Cameroun. Alors, la difficulté, c'est que intégrer 1 million de Camerounais, c'est 1/5 de la population, n'est pas quelque chose de simple, n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose qui se fait sans conséquences. Comprenez? Et donc c'est ce que je vais expliquer au niveau très rapidement des enjeux. C'est-à-dire, comment élaborer et réfléchir aujourd'hui à la participation de la diaspora, parce que c'est le cœur du problème, à la participation de la diaspora dans la vie politique au Cameroun. Comment y réfléchir? Alors, il y a évidemment la possibilité d'associer cette diaspora de plusieurs façons. Il faudrait, par exemple, créer un cadre de concertation, de discussion, d'élaboration, de réflexion, de projets qu'on peut mettre en place. Et ce cadre de concertation est un cadre dans lequel à la fois l'État, en tant qu'acteur à part, mais aussi la diaspora en tant qu'acteur à part et séparé, peuvent se mettre autour d'une table et dialoguer pour mettre en place ce cadre-là. Donc, on n'est pas dans une démarche où l'État prend l'initiative de manière unilatérale et puis l'impose à la diaspora. De la même manière, on n'est pas dans une démarche où la diaspora va imposer non plus sa logique et son discours ou son projet à l'État. Il faut vraiment qu'il soit dans une démarche tout à fait concertée. Alors, parce qu'il y a énormément de ressources. On a parlé de transfert de devises. Il faut savoir en termes de devises, j'en discutais tout à l'heure avec mon ami Benjamin Diama, les transferts de devises au Cameroun représentent 2 fois l'aide au développement. Monsieur l'économiste, c'est énorme. C'est énorme. Et en termes d'investissement, la capacité d'investir de la diaspora est d'une telle ampleur que c'est au niveau même du raisonnement le plus simple, c'est une totale aberration de ne pas pouvoir mettre en place quelque chose qui permette cet investissement. Il y a effectivement un problème en termes justement de refus d'intégrer ces ressources. Le problème, c'est au-delà des ressources, au-delà de la dimension purement économique et commerciale, c'est qu'il y a aussi en termes de mœurs, en termes de morale, en termes de culture, des habitudes que nous, en tant que membres de la diaspora, nous considérons comme favorables, que la diaspora peut ramener, peut projeter au niveau du Cameroun. C'est-à-dire que la façon de faire la politique, la façon de raisonner, la façon d'agir, c'est quelque chose qui, de notre point de vue, même si on peut discuter notamment du point de vue du Cameroun, c'est quelque chose qui peut apporter une qualité en termes de connaissances qui, à mon avis, peut être utile au Cameroun. Vous voyez? Et donc ça, c'est ce que la diaspora peut ramener en termes de ressources. Mais ça ne va pas sans contrainte. Pourquoi? Parce que si on accepte l'idée que la diaspora a cette importance qu'on vient de mettre en exergue,
et c'est suffisant pour favoriser la mise en place de la plurinationalité, cela va entraîner des contraintes. Je vais pointer ces quelques contraintes. Une première contrainte qui n'est pas simple, c'est que vous avez une société qui a 21, 22, 23, 21 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas en intégrer 5 millions de plus de manière aussi simple, aussi facile, aussi hâtive, si vous n'avez pas pris le temps de préparer les structures, si vous n'avez pas pris le temps de préparer les administrations, si vous n'avez pas pris le temps d'adapter les institutions. Vous savez, 5 millions d'habitants, ce n'est pas simple. Ce n'est pas 2-3 personnes qu'on va injecter dans une société. Donc, on va créer un mouvement d'ensemble qui est tel que ça peut avoir des conséquences dont personne ici n'a la moindre idée. Première chose. Deuxième chose très importante, parce que je connais un peu le fonctionnement des ambassades, en termes de recettes consulaires, cela va représenter une perte énorme. C'est-à-dire les recettes liées au visa, ou toute une série de procédures consulaires. Si vous retirez cette possibilité, vous aurez certaines ambassades qui vont tomber en faillite. Hein. Vous avez des ambassades qui ont parfois de retards en termes de paiement, de décaissement du ministère des Finances à Yaoundé, qui sont telles que depuis 3, 4, 5 ans, s'ils n'ont pas de recettes consulaires, ben, ils ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas. Voilà la réalité. Et donc, si on accorde cette nationalité et que les gens n'ont plus besoin de passer par les ambassades pour payer les visas, vous allez avoir une grosse perte au niveau consulaire. D'ailleurs, à mon avis, c'est une piste extrêmement intéressante à examiner pour chiffrer un peu ce que ça représente en termes de coûts et en termes de valeur monétaire. Alors, il y a d'autres contraintes, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Quel est le projet politique qui, à mon avis, est derrière, en fait, la question de la plurinationalité? Ce projet, il est très simple, à mon humble avis. C'est comment exercer le pouvoir dans ces conditions, les conditions que je viens de décrire. Comment est-ce qu'on peut exercer le pouvoir et comment est-ce qu'on peut l'exercer de manière efficace? Je pense que c'est dans cette dynamique, par exemple, que s'inscrit Cabral Libi, comment exercer efficacement le pouvoir dans les conditions qu'on vient de décrire, et qui ne sont pas des conditions simples, qui ne sont pas des conditions faciles. C'est très important, il ne faut pas très facilement rentrer dans des énonciations qui ne permettent pas de mesurer en fait l'ampleur des difficultés. Alors, il y a, et ça c'est le quatrième point pour moi, il y a des effets positifs qui sont liés justement à ce projet. Et puis il y a ce qu'on appelle, ce que moi je considère comme étant des concessions qu'il faut absolument accepter pour que cet exercice puisse se mettre en place de manière viable. Au niveau des effets positifs, je suis tout à fait en accord avec Thierry. Le fait d'intégrer la diaspora et d'intégrer, je dirais, la partie qualitative de la diaspora, parce qu'on ne peut pas non plus dire que toute la diaspora est de bonne qualité. Je ne suis pas juge pour dire telle est de bonne qualité, telle est de mauvaise qualité, mais on peut quand même objectivement dire qu'il y a une diaspora qui est productive, qui est active, et puis il y en a une autre qui ne l'est pas ou qui l'est beaucoup moins, ou même qui est plutôt nocive à l'égard de l'État. Oui. C'est un débat, je ne veux pas rentrer plus en détail. Alors, ensuite, il y a donc effectivement là, on peut avoir un État dynamique. Si on intègre la diaspora dans les services consulaires, si on intègre la diaspora dans les activités économiques, si on intègre la diaspora dans les administrations, toutes les administrations, parce qu'on a des corps de métier qui sont multiples et qu'on pourrait injecter dans les administrations camerounaises. Et vous savez très bien aujourd'hui qu'en termes d'expertise, le Cameroun a de grosses lacunes dans des pans entiers de son fonctionnement. Eh bien, ces lacunes peuvent être complétées rapidement, facilement, par des éléments de la diaspora qui auraient été identifiés, recrutés, formés, accompagnés. Et qui aussi, parce que ce n'est pas un blanc-seing, une fois que vous êtes là-bas, on doit vous évaluer de manière quotidienne aussi. Donc ça, c'est très important. Et pour moi, un effet dynamique peut effectivement fonctionner avec cet aspect des choses. Deuxième élément extrêmement important aussi, c'est que avec l'acceptation, la facilitation d'une citoyenneté plurielle, eh bien, on peut effectivement, je dirais, amplifier les interactions
Parce qu'il y a une chose est d'entrer dans l'administration, une autre est de ne pas rentrer dedans, et plutôt de continuer à maintenir une interaction à plusieurs niveaux avec le fonctionnement de l'État. Parce qu'il faut interagir avec l'État. Il ne faut pas forcément aussi rentrer dans l'État, rentrer dans ses structures. Il faut parfois rester en dehors. Et comme moi, je me définis comme libéral, je suis même de ceux qui pensent qu'il faut vraiment rester en dehors pour aider, accompagner, évaluer, parfois même challenger l'État. L'État a besoin d'être challengé. Parce que si on ne le challenge pas, il se croit tout puissant et il fait tout ce qu'il a l'habitude de faire et il le fait toujours et il le répète toujours. Le résultat des courses, ben, ça vous fabrique justement un État conservateur, un État réactionnaire et qui ne fait pas avancer ce que les Belges appellent le schmilblick. Ensuite, très important, derrière cette interaction, troisième effet positif, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais je ne vais pas tout lister ici. Ça peut faire l'objet peut-être d'une publication plus tard avec le PCRN. Voilà. Donc c'est simplement, avec cette binationalité, et ça rejoint l'idée de Thierry, c'est en fait, plus que la mobilité, c'est la fluidification en fait de toute une série de choses. Au niveau économique, au niveau commercial, donc en termes d'investissement, en termes de transfert des devises, mais aussi au niveau du transfert des technologies, du transfert des connaissances. Vous savez, c'est extrêmement important d'avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, la forme de l'économie la plus dominante, eh bien, c'est la forme de l'économie immatérielle. C'est l'économie de la connaissance. C'est cette économie aujourd'hui qui guide le monde. Eh bien, je pense qu'au Cameroun, on a un peu un décalage par rapport à ce mouvement-là. Mais l'implication importante, massive et qualitative de la diaspora pourrait aider précisément à fluidifier justement le transfert des connaissances, de l'expertise et des savoirs. Et pour moi, ce n'est pas banal. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit cela, quelles sont les concessions qu'il faut faire ? Et quelles sont les concessions qu'il faut nécessairement accepter de faire, de consentir, pour que les choses puissent fonctionner et que cet impact soit effectivement un impact tout à fait probant. Alors, moi, j'en retiens essentiellement deux, je ne vais pas aller plus loin. La première concession qu'il faudrait faire, c'est accepter l'idée que personne n'a le monopole de la vérité, de la connaissance dans cette affaire. Je ne considère pas la diaspora comme ayant le monopole de connaissance ou de vérité sur ce qu'il faut faire en termes, pas seulement de plurinationalité, parce que la question est beaucoup plus profonde. Hein. Si vous entendez ce que je viens de vous dire, ce qui est en jeu, c'est une réforme profonde de l'État. C'est l'État qu'il faut réformer. Et donc, comment réformer l'État si on a la certitude qu'on a la vérité, alors qu'en réalité, on ne l'a pas? Donc, il faut avoir la modestie d'accepter qu'on n'a pas le monopole de la vérité, et donc on accepte un dialogue sincère les uns vis-à-vis des autres. Donc, il faudrait qu'il y ait un dialogue sincère, et ce dialogue peut avoir toute une série de modalités qu'on peut facilement définir et encadrer. Deuxième concession, c'est extrêmement important à mon avis aussi, c'est associer en fait à la formation, à l'accompagnement et au développement de toute une série, je dirais, de projets, les membres de la diaspora, les forces actives, je dirais, de l'État, et puis la société civile internationale qui n'est pas directement concernée, pour qu'il y ait un tiers qui permet de faciliter et d'accélérer ou d'amplifier, je dirais, cette action-là. Parce qu'il ne faut pas non plus enfermer cette question au niveau d'une confrontation entre la diaspora et l'État. Parce que c'est une confrontation qui aujourd'hui est crispée, il faut la décrisper. Et l'une des manières de la décrisper, c'est précisément de faire intervenir un tiers et d'entretenir, si vous voulez, une relation à trois qui peut être une relation bénéfique. Voilà, si vous voulez, pour moi, les deux points qu'il faut accepter de concéder pour que l'impact puisse être tout à fait positif. Alors, je vais terminer avec donc le dernier point qui est en fait ce que j'appelle la projection pour l'avenir. Sur cette base-là, sur la lecture de ce que je viens de vous proposer, comment entrevoir l'avenir, comment se projeter? Alors, moi je pense qu'il faut se projeter en termes de choix en fait. Il faut faire des choix. Et tous les choix ne sont pas pertinents. Ce n'est pas parce qu'on a fait un choix que ce choix a de la valeur ou bien que ce choix a de l'intérêt. Je crois qu'il faut faire des choix intelligents. Et le premier choix qu'il faudrait faire,
Et ça ne concerne pas seulement l'État, même si c'est l'État qui est concerné. C'est vraiment réfléchir à une profonde réforme de l'État qui soit adaptée à toutes les exigences qu'on vient d'annoncer par rapport à la diaspora. Il faut que l'État se réforme dans ses institutions, dans son administration, dans ses relations, dans la gestion avec les collectivités régionales ou locales. L'État doit s'adapter parce que l'impact de la rentrée en jeu, comme dans un terrain de football, de la diaspora, sera tel que si ces différents échelons de pouvoir ne sont pas préparés, ne sont pas réformés, ça va faire des dégâts, ça peut même causer un désastre. Hein. Ça peut déstabiliser tout le fonctionnement de l'État, il ne faut pas minimiser ça. Deuxième choix qui est extrêmement important à faire, à mon avis, et je vais, c'est l'avant-dernier point, c'est au-delà de la loi de 1968 qui pose question, et si tout le monde voit très bien, qui est extrêmement limité à trois articles. J'ai un ouvrage que j'ai lu qui m'a l'air extrêmement intéressant, qui a été écrit par Eric Essonotim. C'est quelqu'un qui est un journaliste que je trouve très brillant, qui est littéraire aussi, qui a écrit un livre qui est intitulé « Le principe de double nationalité au Cameroun », où il explique très en détail, en fait, pour lui, quelle est la situation par rapport à cette loi, et il montre que c'est une loi extrêmement permissive, contrairement à ce qu'on peut penser. Que ce n'est pas une loi qui est restrictive, elle est très permissive, et finalement, il y a un déficit profond dans la conception même de la notion de code de nationalité au Cameroun. Et donc, le principal enjeu pour l'avenir, à mon avis, c'est édifier un vrai code de nationalité. Parce qu'il n'y en a pas. Il faut un vrai code, ce n'est pas juste un, deux, trois articles. Hein. C'est une architecture juridique, institutionnelle, tout à fait nouvelle, mais qui va encadrer tous les compartiments de la vie, du fonctionnement de personnes qui sont de nationalité étrangère, pour qu'ils puissent, quand ils sont au Cameroun, être protégés. C'est ce qu'il a dit, sécurisés. C'est très important de les protéger. Parce que vous imaginez une seule seconde que si Lydiane Ayoub n'avait pas été française, vous imaginez où serait aujourd'hui. Si Michel Thierry Tangane n'avait pas été de nationalité française, vous imaginez où serait aujourd'hui. S'il avait la double nationalité, il serait toujours coffré au Cameroun. Et donc, il faut, même si on édicte cette double nationalité, il faut protéger les personnes qui viennent d'ailleurs. Parce que dès lors qu'ils ont la double nationalité, ils n'ont plus la priorité ou la primauté de ce qu'on appelle la protection consulaire. Ils n'ont plus. Ils vont la perdre. Monsieur le diplomate va certainement dire un mot, puisque voilà, c'est une de ses spécialités. Donc, il faut protéger effectivement les personnes qui vont acquérir une nationalité supplémentaire. Et dans un cadre, dans un code qui est bien élaboré, bien édicté, qui, à mon avis, demande du travail, qui doit impliquer un maximum d'intelligence. Dernier point, et je vais terminer d'une seule phrase, c'est qu'il faudrait vraiment aussi préparer les mentalités. Merci beaucoup. L'exposé de M. Simon Pascal Alain Handy, conseiller politique aux Nations Unies, n'a laissé personne indifférent. Pour lui, la thématique aurait été intitulée « Comprendre le malheur camerounais ». J'ai été très tenté, lorsqu'on m'a suggéré de participer à ce débat, de vous suggérer un peu de changer le titre, au lieu d'un débat sur la double nationalité, plutôt en empruntant un texte de Marcel Gauchet qui est sorti en 2016 aux éditions Stock, d'intituler votre débat « Comprendre le malheur camerounais ». Mais n'étant pas membre de votre parti politique ni d'aucun autre, et n'ayant pas l'intention dans l'immédiat ou dans un avenir de devenir partisan, je vous laisse bien entendu la responsabilité des titres vous attribuez aux débats qui sont les vôtres. Alors j'ai la responsabilité de vous maintenir éveillé, parce que je parle en dernier, et je vais essayer de le faire du mieux de mes possibilités en m'assurant qu'il y a de l'information, mais que nous ne sommes pas en lieu. Donc comprendre le malheur camerounais, parce qu'il me semble que ce débat sur la double nationalité comporte un élément de dangerosité. En réalité, c'est un débat sur l'exclusion, c'est un débat sur la haine, et donc c'est un débat sur la guerre.
qui est la forme la plus inhumaine ou la manière d'infliger l'inhumanité à l'humain la plus horrible qui soit. Donc je vais essayer d'interroger l'histoire, la satire, l'anthropologie, essayer un peu de vous balader à la lumière des deux premiers intervenants qui m'obligent à faire quelques réajustements, mais n'ayez crainte, si vous restez éveillés, nous allons essayer de mettre de la saveur dans le savoir. L'idée de citoyenneté comme celle de la nationalité ne sont pas neuves. La citoyenneté, comme vous le savez, a traversé les âges depuis la Grèce antique jusqu'à la Révolution française, dont elle constitue l'un des piliers. Elle continue aujourd'hui d'être placée au frontispice des modèles républicains. Mais son contenu et sa signification restent souvent insaisissables ou mal compris. Il s'agit en effet d'une construction juridique dont les contours ont évolué au cours du temps et qui aujourd'hui cherche un nouveau souffle dans notre pays, le Grand Cameroun. Donc pour situer mon propos, je suis transpartisan, je parle à mon nom propre sur la foi en la force des idées, la puissance de l'éclairage qui jaillit de l'opposition des contraires dans le cadre d'un argument frappé du sceau de la sainteté. Et surtout, d'un amour immodéré pour ce petit bout de terre, pas si petit que cela, que l'on a appelé le Cameroun. Le barrage d'appels que je reçois depuis que j'ai cette invitation, m'invitant à la plus extrême des prudences jusqu'à cet après-midi, démontre qu'un certain Cameroun, s'il en était encore besoin, se trouve dans un état de siège sanitaire, mental et pathologique, pour avoir peur d'un débat. Donc, je ne souscris cependant pas à la fatalité de la haine comme pulsion centrale autour de laquelle s'organise la vie sociale et politique. Il y a encore, il me semble, du moins j'en suis convaincu, au sein de nos sociétés, des trésors de progressisme, de générosité et de possible fraternité. Donc, venir ici, dans ce qui était supposé être ce champ de mine, et en vous revoyant, je pense que c'était un peu exagéré, d'une atmosphère qui aurait dû être à la nitroglycérine, c'est faire acte de courage, de bravoure, de témérité ou de folie furieuse pour certains, de défiance. Il me semble quand même que jamais les Camerounais se sont autant détestés et insultés. C'est pour ça que j'ai parlé dans mon propos liminaire d'un propos sur l'exclusion. La suspicion et le procès en sorcellerie y est devenu un mode d'exister. Sur les réseaux sociaux, une horde d'imbéciles violents entretient un climat de terrorisme de la pensée. En effet, la dictature de la terreur des chevaux légers sans épaisseur et de l'intolérance y règne suprême. Quelquefois dans la vie, il faut avoir de l'épaisseur, donc tout n'est pas à dégraisser. Comme disait Rabelais, je suis une énormité si l'énormité n'exclut pas la finesse. Donc au moment où le monde entier déboulonne les statues et vestiges hérités de la colonialité, le Cameroun, quant à lui, saccage au propre comme au figuré ses propres icônes et figures historiques, tout en se prosternant devant les statues des assassins de la coloniale, tels que M. Leclerc. Vous remarquerez que je ne l'appelle pas général, et ceux qui s'intéressent à son histoire sauront qu'il a gonflé son grade de 3 rangs et arrivé au Douala en pirogue. Donc, comme toujours, la colonialité procède sous le signe du mensonge. On a donc un faussaire devant lequel on se prosterne, tandis qu'on fustige ses propres compatriotes. Aux dernières nouvelles, on m'a dit qu'ils sont sur le cas de Yannick Noah, qui est traité de tous les noms. Après Manu Dibango, Bel Joseph Antoine, Mongo Betty, Jean-Marc est là. Nul ne trouve grâce aux yeux des insulteurs camerounais professionnels. On a vu récemment dans notre cité la plus moderne et capitale économique, des chefs traditionnels, ivres d'animosité, la bave aux lèvres, la haine chevillée au corps, détruire le cénotaphe du plus grand nationaliste subsaharien du XXe siècle, de par la densité de sa philosophie politique, de son courage physique et du caractère inédit et révolutionnaire de son projet inclusif de libération nationale. Je refuse évidemment d'appeler ces chefs chefaillons, eu égard à notre tradition de sacralisation du droit d'aînesse et du respect des anciens et du désir commun de promouvoir une société harmonieuse de compréhension mutuelle. Non, vous n'êtes pas une foule follement intimidante. J'en ai vu de plus coriaces en 18 ans de théâtre de guerre.
Mais la solennité des circonstances et des lieux ne saurait éluder le cocasse de la situation qui fait que jusqu'en 2008, la Belgique et le Cameroun avaient en partage le rejet de la double nationalité. La comparaison ne s'arrête pas là. Les deux pays, cependant, continuent d'être agités par des batailles tribales homériques, au point que la possibilité d'une scissiparité politique n'est plus totalement incongrue et inconcevable dans les deux cas. Est-ce qu'on peut mettre la capsule? If America is Jacques, Europe is the real king of R&B. White people, ask your black friend what that joke means. And right now in Europe, when they're not flipping cars over and setting them on fire, they're having a major debate about what to do with all the art that they borrowed permanently by force from Africa. And according to the president of France, it should all be returned. President Emmanuel Macron argues it's unacceptable that around 90% of Africa's artistic heritage is outside Africa, and says French law should be changed to make restitution possible. Speaking in Burkina Faso, he said it was wrong for only Europeans and Americans to have access to African art. In 5 years, he wanted to start the process of temporary or definitive restitution. Yeah, that's pretty amazing. Ah, I think that's pretty amazing, and it's very nice of the French president. Although, it is going to be weird when Africa gets all the sculptures back, and the Africans are like, wait a second, why do these sculptures smell like cigarettes and threesomes, huh? What's going on here? Although, honestly, I do think, if after profiting off of all of this art for all these years, they're just going to give it back, I don't think that's enough. I think France should give the art back with interest. Yeah, they should. I think Africa should choose some European art. They should be like, okay, thank you for giving us our art back. We would also take that creepy white lady and the guy with the tiny penis. Eh? That's good. Good on Macron. He's doing something. And unfortunately, not everyone in Europe is as remorseful as Macron. In fact, some Europeans in the art world believe that they did Africa a favor by stealing our shit. They became works of art in Brussels because Europeans said it's art, you know? It's not from Africa, it was not art, it was meant to disappear. It was meant to disappear? It was meant to disappear? That is some next level shit. On peut arrêter là. Ce commentaire, en fait, ça c'est le Daily Show, c'est l'émission phare de Comedy Central. Et le bonhomme qui parle, c'est Trevor Noah, qui est une star sud-africaine, mais qui est en prime time sur la télévision américaine. Bien entendu, pour un pays comme le nôtre qui est bilingue, le débat c'est sur la commission Féminin-Sar et Dominique Savoie, Bénédicte Savoie, sur la restitution de l'art, des arts, de l'art africain envolé et capturé, qui renferme encore l'esprit de nos ancêtres. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu vous montrer ça, c'était loin d'être une digression. Vous voyez, la figure de l'adjudant colonial qui dit ce n'était pas de l'art, ces objets étaient destinés à disparaître et il a fallu qu'ils viennent en Europe et que l'Europe décide que c'est l'art. On est là au cœur de la concentration de ce que la colonialité a de plus grotesque, du complexe du white man knows best. Vous n'aviez pas d'art, vous n'aviez pas d'âme non plus, et à partir du moment où nous avons décidé que c'est devenu de l'art. En fait, ce que ça pose comme problème, c'est le fait que nous avons été dépossédés de notre capacité de dire et de notre capacité de nommer. Et ces débats sur la double nationalité touchent à cette incapacité de nos sociétés à réinventer une société politique moderne débarrassée des schèmes coloniaux. Sinon, nous n'aurions pas un débat sur la double nationalité. Donc, je voudrais rentrer maintenant dans ce que nous appelons le monde noir. Il me semble, hein, et c'est une observation tout à fait personnelle, que si nous explorons sur les 8 milliards d'individus qui existent sur la planète, l'ensemble des lexiques, il n'y a pas une épithète infamante dans ces lexiques qui n'ait pas été utilisée à l'encontre du noir. Donc de toutes les races qui existent, si tant est que les races existent dans le monde, le noir est la seule à concentrer de manière universelle
la haine de tous. Nulle part sur cette planète, il n'est le bienvenu et assez souvent le récipiendaire de la violence et de la haine de l'autre. Sur la base de cette détestation singulière, quasi universelle dont il jouit, le noir ne manifeste sa fureur que contre d'autres noirs. D'où les conflits et les velléités d'épuration ethnique, les brutalismes, l'ensauvagement, les massacres, l'exclusion, l'indexation sur des bases quelquefois tribales. Plus récemment encore au Cameroun, une conception de mon point de vue paléo-archaïque du concept fumeux de double nationalité, une fumisterie sans nom, j'ai dit qu'on utiliserait la satire, donc ne vous paniquez pas. Et c'est une fumisterie sans nom au moment où nous avons besoin de toutes les ressources pour construire l'en commun, stopper l'assèchement de nos ressources vitales et accéder enfin un jour à l'indépendance. Ici, comme ailleurs, partout sur le continent, notamment en Afrique du Sud, mais aussi en Libye et partout dans le Maghreb, où nous sommes dans une espèce d'impossibilité de la fraternité, la haine de soi atteint un sommet paroxystique. D'aucuns s'égorgent même dans certains pays pour une langue qui n'est pas la leur au nom d'une Grande-Bretagne qui se fiche d'eux comme d'une guigne. Lors de mon récent passage à Paris, à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, où j'ai été visiting fellow il y a quelques années, j'ai rencontré, en discutant avec eux, une brochette de chercheurs européens, australiens, américains, qui travaillent à l'Institut. Mais les thématiques qu'ils abordaient n'étaient ni la tribu, ni l'halogène. Ils parlaient de la physique des particules et son impact sur la géopolitique, les caractéristiques du boson de Higgs, la collapsologie, l'anthropocène, l'informatique quantique et les prémices stratégiques de notre monde dans 50 ans. Dans notre pays, j'ai l'impression que c'est le même ronron funeste des fous de l'exclusion et des ayatollahs ivres de haine de l'autre qui veulent en découdre dans une espèce de lumpen violence gratuite sans but. Les apôtres du dissensus au centre du consensus ont pour seul leitmotiv exclure, toujours exclure. Quand on aura exclu tout le monde, il ne restera plus rien à exclure. Les mêmes sensus parasitaires, me disait l'autre jour un collègue qui n'est pas sur cette table, qui vous matraque à coups de requêtes Western Union, curieusement oublie la double nationalité dans leurs œuvres de mendicité. Sur ce, les individus qui n'ont pour seule légitimité que la force accidentelle d'un décret présidentiel parlent de nationalité mal maîtrisée, parlent d'exclure toujours d'autres Camerounais. Ces dévots du larbinisme, de l'agenouillement et du tremblement de l'esprit consacrent de manière incongrue une Afrique qui expulse de son sein ses propres enfants. Lorsque l'un des nôtres est en difficulté, notre devoir premier est celui de la solidarité et non des supputations malodorantes et un baratin fétide autour d'une nationalité mal maîtrisée. C'est à cela qu'on juge un grand pays, sa capacité de projection de ses ressortissants. C'est la Norvège qui, au milieu de la pandémie de la COVID-19, qui dit à tous ses ressortissants, rentrez à la maison, surtout si vous êtes dans un pays à la santé hasardeuse de type tiers-monde comme les États-Unis. Lorsque nous parlons de cette manière, alors certains nous disent non, c'est un débat juridique, c'est un débat qui doit être rationnel et il ne faut pas y mettre de l'émotion. Et ça m'oblige à faire un peu un cran d'arrêt sur ce que c'est qu'être rationnel. Être rationnel, ce n'est pas se couper de ses émotions. Le cerveau qui pense, qui calcule, qui décide, n'est pas autre chose que celui qui rit, qui pleure, qui aime, qui éprouve du plaisir et du déplaisir. Le cœur a ses raisons que la raison est loin d'ignorer. Contre le vieux dualisme cartésien et contre tous ceux qui voudraient réduire le fonctionnement de l'esprit humain à de froids calculs dignes d'un superordinateur, nous disons que les récents travaux de la neurologie démontrent que l'absence d'émotions et de sentiments empêche vraiment d'être rationnel. En effet, la doxa est sur la suprématie de la raison sur l'émotion est battue en brèche depuis de nombreuses décennies. N'en déplaise à ceux des nôtres, surtout les villes citadines, hôtels qui ont bruyamment recours à la vieille rengaine singorienne, à ce sujet prononcé sûrement dans un moment d'aberration. L'émotion est Hélène,
la raison est née. L'émotion, j'ai des nouvelles pour vous, a repris droit de cité dans les travaux, non seulement des chercheurs et des professeurs de psychologie comme Antonio Damasio, mais aussi pour la science politique, qui est un peu notre domaine d'expertise, dans les travaux de Pierre Asner, qui s'est investi dans l'étude des passions dans les relations internationales. Il y a eu en 2008 la géopolitique de l'émotion, comment les cultures de peur, d'humiliation et d'espoir façonnent le monde. Dominique Moisy a sorti un livre puissamment intéressant qui éclaire ce débat sur la double nationalité à l'aune des émotions. Alors, partir, c'est mourir. Les expatriés, et je dis bien expatriés, pas immigrés, les expatriés africains en Occident vivent une précarité et une fragilisation qui portent atteinte à leur dignité et altèrent toute aspiration légitime à l'épanouissement et à une vie décente et digne. La personne ainsi vulnérabilisée est de fait fragile et en perte de repère, parfois jusqu'à la dépersonnalisation. Elle fait l'expérience concrète de la chair du monde selon l'expression de Maurice Merleau-Ponty. Cette chair ontologique que partagent ceux qui sont embarqués dans la même grande aventure, la vie. Les événements traumatogènes qui induisent des failles visibles et non visibles peuvent avoir des causes très anciennes de l'ordre de l'inconscient collectif tel que le fait colonial ou avoir été en prise avec des guerres civiles ou interétatiques ou des catastrophes naturelles. Ces catastrophes, quand elles ne sont pas tout simplement fatales, sont souvent la cause de l'exil, une rupture qui est en réalité une triple peine. On devient étranger en rompant avec celui qu'on a été. Étranger à soi, étranger vis-à-vis de l'autre à l'arrivée dans l'endroit de destination, qui peut être temporaire, mais aussi étranger en revenant quand on a la chance de pouvoir revenir et quand les conditions s'y prêtent, M. Amougou. En effet, le pays que l'on a quitté n'est jamais le même que celui que l'on retrouve. Des mutations s'y sont opérées, mais il reste aussi figé dans un imaginaire fantasmé, celui-là même dont le souvenir nostalgique a permis de tenir dans des moments difficiles de l'exil. Le souvenir nostalgique a permis de tenir dans les moments difficiles de l'exil. Vous savez tous ce à quoi je fais allusion. Il ne suffit pas de partir d'un lieu pour qu'il cesse de nous habiter, selon la philosophe Claire Marin. Et je reprends là les développements de Nafissatou Dia Diouf, que j'ai rencontré récemment aux ateliers de la pensée à Dakar. Donc partir, c'est selon elle, renoncer à ce confort psychologique d'être légitime aux yeux des autres. C'est rompre avec l'espoir d'une reconnaissance. Ceci est valable pour tout type de paria. Alors comment réparer? On va finir avec cette autre capsule. 30 secondes. Peut arrêter. Ce son magnifique de John Coltrane, c'était a love supreme. On a l'impression, quand je décrivais le Cameroun tout à l'heure, que l'on est plutôt dans un contexte de la haine suprême. La raison pour laquelle on vous montre ça, c'est parce que je voudrais quand même pas que vous sortiez d'ici en étant complètement déprimé. Et je pense que l'heure de la réparation ou la possibilité de réparation s'impose. Et quand on parlait tout à l'heure d'une société noire ou d'une communauté noire qui a été chroniquement, systématiquement, systémiquement honnie et haïe, mais qui, au lieu d'inventer le Ku Klux Klan, a inventé comme réponse à la douleur du monde l'une des formes artistiques les plus achevées, le jazz. Donc on repart avec toutes ces choses qui nous ont permis de sublimer le malheur total. Et le blues et le jazz que l'on retrouve aussi dans nos mélopées traditionnelles, dans les chants de libération que nous apprenaient nos arrière-grands-mères, essayent de répondre à quatre questions fondamentales. Comment l'intégrité fait face à l'oppression? Comment l'honneur doit réagir devant la malice
et la tromperie, comment la décence réagit à l'insulte, comment le courage fait face à la force brute. Et la possibilité de réparation nous renvoie donc à une métaphore extrême orientale qui est l'art du kintsugi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du kintsugi, c'est une technique ancestrale japonaise de sublimation de la brisure. Elle est connue depuis le 15e siècle au Japon. Le kintsugi et les méthodes de dévulnérabilisation et de prévention de la vulnérabilité sont ancrées dans notre patrimoine immatériel africain. C'est un art qui consiste à réparer un objet brisé en soulignant les jointures avec de la poudre d'or au bout d'un long processus d'assemblage et de scellement. Et notre société internationale et notre diaspora fragmentée, fragmentaire, se retrouvent dans ce contexte et dans cette métaphore de débris épars qui doivent retrouver des jointures avec de la poudre d'or dans un long processus d'assemblage et de scellement. Donc, au-delà de la performance artistique, cette pratique cache une véritable philosophie, celle de la résilience et de la sublimation des stigmates. Il s'agit d'assumer son vécu, ses blessures de guerre et de les magnifier comme les samouraïs portaient autrefois leurs balafres. Il s'agit en fait d'inscrire son passif traumatogène dans une perspective de réveil et de réinvention de soi et d'invention d'un futur différent. Donc, au nom d'un certain universalisme, cette métaphore japonaise permet en réalité de convoquer une disposition, celle de la résilience et de tenter d'en décrypter ses enjeux dans le surpassement des traumas et investiguer ses mécanismes et ses facteurs d'aboutissement. Donc, tout en proclamant avec le magnifique poète palestinien Mahmoud Darwish que nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens, parlant des expatriés africains ostracisés, nous devons ici et maintenant convoquer le courage politique de réinventer une société politique qui intègre plus et exclut moins. Nous en avons les moyens, j'ai dit. Je vous remercie. Des exposés qui feront réagir Paul Gouet du PCRN. Je voudrais rassurer ici que nous, nous nous positionnons comme pour la diaspora, la double nationale, la plurinationalité est originelle. Et je rassure par là le professeur Andy qui a pris beaucoup plus une position quasiment qui sort de notre analyse de la situation. D'abord, nous ne pouvons pas négocier avec nos sentiments, avec nos appartenances. D'ailleurs, le droit à la filiation, au regard même de l'interprétation qu'on peut en faire des instruments des Nations Unies, nous continuons à dire que depuis les années 60, il y a une complicité continue. Parce que la filiation est quelque chose qui est un droit originel, qui est un droit naturel. Vous êtes le fils de votre père. Alors du coup, vous bénéficiez par là d'un héritage génétique, d'un héritage culturel, matériel. Et le reste, la société peut l'organiser. Les questions de droit économique, les questions d'administration, que je trouve nécessaires. Et d'ailleurs, nous avons pris en compte dans notre projet de société la question des réformes, la question des réformes administratives, la réforme de l'État. Nous parlons aujourd'hui du fédéralisme communautaire. Ce n'est pas le fédéralisme d'exclusion, comme certains essaient de l'interpréter, mais ça part d'une analyse profonde de la situation camerounaise, historique, sociale, politique. Et nous devons comprendre le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est de protéger, c'est de préserver, c'est de promouvoir, n'est-ce pas, la dignité des personnes. Voilà. Donc, voilà l'État que nous pensons mettre sur. Et ici, cette formule pédagogique que vous venez de nous intéresser tous ici, nous rassure que nous ne sommes pas dans le mauvais chemin. Je vous remercie. Voilà. Alors maintenant, à l'assistance. C'est dans une ambiance bonne enfance que prendra fin cette autre campagne de sensibilisation, d'adhésion au PCRN, en fond de toile, une table ronde.
J'ai une question. D'abord, je vais d'abord remercier tous les intervenants. Des contributions très riches. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Je me suis nourrie du débat, de ce débat qui m'intéresse déjà en tant que diaspora. J'ai une question pour le professeur Nika. Je n'ai pas très bien compris la différence fondamentale qui fait entre la nationalité et la citoyenneté. Même si il nous a expliqué que la nationalité, il y a une nationalité de départ qui est un trait d'union, mais maintenant les autres qui viennent se greffer, franchement, je n'ai pas très bien compris. Alors, maintenant, je vais poser toutes mes questions. Oui. C'est une contribution, je ne sais pas si c'est une question, hein, c'est par rapport à l'intervention du professeur Amogou sur l'extraterritorialité de la nationalité, que j'ai trouvé très intéressante. Bah, en fait, je voudrais m'adosser sur l'actualité par rapport au retour des Marocains. Il y a des Marocains qui se sont retrouvés, on va dire coincés, au Maroc. Mm-hmm. Et où on a quand même vu ici se dévoiler, moi je vais dire un aspect assez négatif, insécuritaire d'ailleurs. Et donc je voulais juste vous demander ce que vous pensez par rapport à ça, parce qu'on a bien entendu, il y a suffisamment d'aspects positifs par rapport à cette extraterritorialité qui peut, au contraire aussi, nous mettre dans l'insécurité. En tout cas, voilà, notre regard par rapport à la situation qui s'est passée. Pour le troisième intervenant, M. Randy, donc voilà, je vous ai bien entendu. Maintenant, j'aurais bien aimé et voulu concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Oui, des sociétés et des politiques audacieuses, concrètement pour notre pays, quoi? Moi, je suis un peu aussi, voilà. Monsieur Andy, du même type que celle de Delphine, parce que je suis tout à fait d'accord avec votre constat, avec votre stigmatisation, avec votre brillant exposé, mais de façon concrète, vous ne proposez pas de solution. Ou alors, est-ce qu'il y en a vraiment des solutions pour sortir les Africains de ce trauma dont vous nous avez parlé et pour les booster à se développer? Comment est-ce qu'ils vont se départir de ce contexte de mondialisation? Donc, c'est une question qui me semble quand même assez importante. Pour le professeur Amogou, dont j'ai deux questions pour vous. Parce qu'avant que vous n'arriviez, on avait débattu un peu de la problématique du franc CFA. Avant que vous n'arriviez, hein, c'était entre nous, en pleine réunion. Alors moi, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que rester arrimé au franc CFA peut aider les pays, dont le Cameroun, à se développer? Et autre chose, toujours par rapport au franc CFA, la nouvelle monnaie de l'Afrique de l'Ouest, l'écho, est-ce que c'est vraiment une nouvelle monnaie ou bien c'est une forme de franc CFA déguisée? Et parce que je vois qu'il est en train de noter. Et enfin, face à l'échec du libéralisme de Paul Biya, le libéralisme communautaire de Paul Biya, est-ce que le socialisme du PCRN est la solution pour nous aider à nous développer? Voilà, dernière question pour monsieur le philosophe. Donc, vous dites que vous êtes pour la double nationalité, je veux bien. Mais vous êtes aussi conscient que le développement d'une nation est lié à son identité, est lié à sa culture. Est-ce que la double nationalité ne dénature pas nos cultures? Parce que s'il faut poser des questions un peu plus loin, les enfants des binationaux, ils sont quoi? Plus Camerounais ou plus étrangers? Et d'un point de vue culturel, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme plus au Cameroun? Voilà, merci. Bon, la question de madame concernant les Marocains qui se sont retrouvés bloqués alors qu'ils voulaient rentrer, hein, et vous posez cette question par rapport à cette notion de territorialité de la nationalité, je crois qu'il y a d'abord là le contexte. Lorsque vous avez une double nationalité, ben, comme l'a dit André Tantou, vous signez un contrat avec le Maroc et la Belgique. Donc si le Maroc a fermé ses frontières, vous êtes sous l'autorité du Maroc.
C'est-à-dire il est compétent. C'est-à-dire le Maroc a le droit de dire j'ai fermé mes frontières, mes citoyens ne sortent pas. Vous êtes citoyen marocain. Vous voyez? Donc, ce n'est pas, il ne faut pas prendre cela comme étant une insécurité. Là, ça dépend de comment est-ce que le citoyen juge sa présence au Maroc par rapport à sa présence en Belgique. Mais le Maroc, lui, juge que en fermant mes frontières, en vous gardant ici, je suis en train de sécuriser tout le monde, y compris vous. C'est ça. C'est ça, c'est en fait. C'est-à-dire que vous avez à la fois des droits supplémentaires et des devoirs supplémentaires. Donc, si vous arrivez au Maroc, l'État marocain prend une décision souveraine qui vous concerne. Et la Belgique doit la respecter parce que vous êtes toujours marocain aussi. Vous voyez? Donc, on entre là dans une situation où ça dépend plutôt de l'appréciation du citoyen qui lui juge qu'il serait beaucoup plus en sécurité en Belgique qu'au Maroc. Donc, ce n'est pas un problème qui concerne vraiment le fait que le Maroc ne soit pas capable de fournir la sécurité. C'est plutôt un sentiment propre lié à l'individu dans ce cas-là. Et puis, il faut aussi analyser la nature des institutions. Les citoyens peuvent juger qu'il est en insécurité au Maroc parce qu'il peut juger peut-être qu'il est dans un pays avec un système sanitaire moins qualitatif que celui de la Belgique. Ça, c'est une appréciation. Il peut dire que je serai plus protégé sur le plan de la santé en Belgique qu'ici. Donc, il peut vouloir aller en Belgique. Et là, vous êtes donc dans un problème qui concerne la nature des institutions. Est-ce que vous avez des institutions, et ça revient aussi sur la question de la réforme de l'État au Cameroun, est-ce que vous avez des institutions inclusives, c'est-à-dire démocratiques, qui protègent les populations? Ou alors vous avez des institutions qui demeurent des institutions extractives, basées sur la rente. Ce que disait André tantôt par rapport aux ambassades qui ont peur de perdre des recettes parce qu'on fait des visas, mais ça veut dire qu'on a une approche rentière de la diaspora. C'est minable. C'est minable. Est-ce qu'un pays doit avoir une approche rentière de sa diaspora? S'il rentre, on n'aura plus de sous. C'est vraiment ramener des gens à de l'argent. C'est-à-dire, c'est même un esprit. Il n'y a même pas d'esprit. Il n'y a même pas. Je ne peux pas qualifier cet esprit-là. Il n'y en a pas. L'état de main. C'est-à-dire, c'est extrêmement. Voilà. Donc lorsque vous êtes dans un pays et vous savez que ces institutions sont des institutions qui peuvent broyer, qui ne sont pas ouvertes, qui ne sont pas inclusives, vous pouvez avoir un sentiment d'insécurité, même si vous avez la nationalité. Et revendiquer peut-être aller là où vous sentez beaucoup plus des institutions protectrices capables de vous protéger. Je crois qu'il faut, lire cette affaire des Marocains qui étaient bloqués au Maroc dans ce sens-là. Question concernant le franc CFA. Grosse affaire. Grosse affaire, je vais vous dire rapidement, une monnaie est extrêmement importante. Lorsqu'on vous parle de la souveraineté d'un État, il y a généralement trois choses. C'est être capable, en tout cas, être l'auteur de ces lois. Vos lois ne doivent pas être écrites, les Belges ont écrit la constitution en RDC. Non, vous devez être l'auteur de vos propres lois. Vous devez être capable de jouer aux gendarmes chez vous. Lorsqu'il y a un problème, c'est vous-même. Ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas l'OTAN, c'est vous-même. Et la troisième chose, c'est être capable de battre monnaie. Si vous n'êtes pas capable de battre monnaie, ça veut dire que votre souveraineté n'est pas encore achevée. Et nous sommes là dans une situation extrêmement importante. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez la capacité de battre monnaie, vous avez aussi la possibilité de mener une politique monétaire. Politique monétaire, c'est une politique. La monnaie est un instrument, mais qui agit à travers une politique. Qui l'a définie pour orienter votre politique financière, pour orienter votre politique industrielle, pour orienter votre politique commerciale, pour orienter votre politique de l'emploi? Si vous n'avez pas l'autonomie de définir votre politique monétaire, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que l'instrument monétaire est dans les mains d'autres personnes, et ce sont ces personnes qui vous disent ce que faire avec. Donc ça ne peut pas servir à votre développement. Ça, je vais être court là parce que si j'entre avec vous dans la mécanique technique de la monnaie, vous verrez même que c'est très grave encore. C'est très grave encore. Lorsque vos réserves de change sont ailleurs, ça veut dire que le Cameroun vend du pétrole, la Guinée équatoriale vend du pétrole, vous avez 50% ailleurs. Ça veut dire que celui qui possède cet argent, lui peut le placer. Lui peut avoir des intérêts dessus. Ça veut dire que lorsqu'il vous fait de l'aide au développement, il peut vous envoyer les intérêts de votre argent. Donc, il peut vous dire que je vous ai aidé avec mon argent. Pas qu'il peut, c'est ce qu'ils font d'abord, d'ailleurs. Donc, vous êtes dans une situation où, vous vous endettez, vous avez des réserves, et c'est quelqu'un d'autre qui garantit votre monnaie, parce qu'il y a une contrepartie.
La France dit, je garde votre argent parce que j'assure la convertibilité internationale du franc CFA. Vous voyez ? Ça veut dire que plus de 50 ans après les indépendances, on n'est pas capable d'assumer de créer une monnaie. C'est surtout la France, c'est encore et toujours la France, 50 ans après les indépendances, qui continue à assurer la convertibilité. Donc, lorsque vous posez la question de savoir, le franc CFA, vraiment, je travaille dessus, si j'entre dedans, on peut dormir ici. Je préfère avancer. Lorsque vous posez la question de savoir si l'écho est une nouvelle monnaie, oui, l'écho est d'abord un projet autonome pour les pays, voilà, de cette zone-là, de l'Afrique de l'Ouest, de la CIA. C'est un projet autonome. Mais ce qui s'est passé avec l'écho, c'est que la France a réussi à mettre le pied dans l'écho. Ça veut dire que l'écho, maintenant, si vous forager le mot, envoie un double écho monétaire. Il y a le écho, projet initial, porté par ces pays-là où la France n'avait rien à faire. Et le écho, maintenant, négocié entre Ouattara et son copain, maintenant qu'il nous donne des feuilles de route, nous disent maintenant l'Assemblée française a voté, on va sortir du franc CFA. Ça veut dire que la France a réussi à replacer son pied dans un projet qui ne concernait pas la France. Et vous voyez, les frottements avec les pays anglo-saxons, ces pays-là qui ont une autonomie monétaire. Si vous regardez un peu l'histoire monétaire de l'Afrique, lorsque nous, on va vers la centralisation au franc CFA, ces pays-là commencent à avoir leur banque centrale indépendante et leur monnaie. Donc le Nigeria ne veut pas avoir affaire avec la France. Donc le Nigeria a déjà dit que si la France continue à jouer un rôle de couverture, ils ne sont plus partants. Donc vous voyez, mais ça veut dire que ce projet-là a déjà aussi du plomb dans l'aile. Parce qu'un pays aussi grand et qui pèse en termes de PIB comme le Nigeria, s'il dit qu'il n'y va pas, ça veut dire que c'est mauvais. C'est mauvais pour l'écho. Donc nous sommes là dans une conjoncture où ce n'est pas seulement un problème de France CFA, c'est même un problème de théorie monétaire, de pensée sur la monnaie. Ça m'a beaucoup amusé, ce projet de l'écho. Beaucoup d'économistes africains sont intervenus pour nous parler de l'écho, mais en restant dans une pensée monétariste. Vous voyez ? C'est-à-dire, comment penser la monnaie ? Nous sommes capables de penser une monnaie différemment de ce que des machins écrits par Milton Friedman. Quand les gens vous disent que la monnaie est un voile, la monnaie n'a jamais été un voile. Quand on dit que la monnaie est un voile, le problème aussi, c'est qu'on nous enseigne des choses à l'université et les gens les récitent, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Quand on dit que la monnaie est un voile, ça veut dire qu'on fait l'hypothèse que les marchés sont toujours en équilibre. Et que ça, ça se change contre ça. La monnaie est juste un instrument de courroie de transmission. Or, les marchés ne sont jamais toujours en équilibre. Donc la monnaie ne peut jamais être en voile. Donc si on ne sort même pas de ces machins-là, des conneries. Donc les gens disent oui, l'écho, mais ils sont dans le monétarisme sans savoir que même là, il y a encore de l'asservissement monétaire dans la pensée monétaire. Donc, je vous ai dit que je ne vais pas entrer là-dedans parce que bon, c'est beaucoup de choses. Voilà. Pour venir maintenant sur le libéralisme communautaire, là vraiment, je ne suis pas un expert du libéralisme communautaire. Ce que je peux vous dire concernant le libéralisme communautaire, je ne peux pas dire qu'il a échoué parce qu'il n'a jamais été appliqué. Vous voyez ? Donc le projet en lui-même reste un projet attractif, intéressant. Si vous lisez le bouquin, c'est intéressant. Mais je ne peux pas dire, je ne peux pas l'évaluer, il n'a pas été appliqué. Je vais évaluer quoi ? Ça veut dire qu'en termes de projet, il reste valable. Et ce libéralisme communautaire n'est pas automatiquement opposé à un socialisme. Le libéralisme communautaire consiste à dire quoi ? En termes libéral. Ça veut dire que je m'inscris sur le libéralisme, mais comme nous avons une société communautaire, les communautés vont devenir des unités productives. C'est-à-dire, au lieu de parler de l'individu, on va parler des communautés. Ça veut dire que je préserve à la fois la force du libéralisme et la force de la solidarité à travers les communautés. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas automatiquement contradictoire avec le socialisme que promeut le voilà. On peut trouver même des jonctions. Moi, si vous me donnez peut-être votre programme et celui du libéralisme communautaire, moi, je peux faire des analyses qui montrent que ces deux choses-là peuvent se compléter et coexister. Surtout que, quand je vous entends parler, vous parlez de fédéralisme communautaire. Mais ça rejoint beaucoup de choses là-dedans. Les communautés peuvent créer des économies communautaires. Ce n'est pas des trucs qui sont complètement antinomiques. D'abord, la question concernant la différence entre la nationalité et la citoyenneté, Delphine, en fait, c'est très simple dans mon esprit. C'est ce que je voulais énoncer de manière un peu rapide, peut-être.
c'est que le concept qui vraiment s'applique en fait à la notion qu'on a examinée ici aujourd'hui, c'est le concept de citoyenneté. C'est le sentiment d'appartenance en fait à une communauté, à une cité, qui en l'occurrence ici est un État-nation. La difficulté à parler de la nationalité est liée au fait que la notion même de nation est une notion extrêmement fragile, précaire, complètement inachevée dans les pays comme le Cameroun. Est-ce qu'on peut également parler de nation quand on parle du Cameroun? J'ai à l'esprit un ouvrage de quelqu'un qui s'appelle Pierre Manin, qui a été mon directeur de thèse, qui est devenu un ami maintenant, qui s'intitule la raison des nations, en fait. Où il s'est démontré qu'en fait, aujourd'hui, même en Europe, on ne peut plus véritablement parler de nations à cause justement du projet européen. On a renoncé à la notion de nation, à toute l'histoire même de la nationalité, alors que c'est cette histoire qui est au fondement des États européens et qui est au fondement de la puissance européenne. Que le fait d'avoir renoncé justement à cette histoire, à ce patrimoine, en fait, c'est ça qui a conduit à l'impuissance de l'Europe à travers le monde. Au Cameroun et de manière plus générale en Afrique, la notion de nation est une notion extrêmement fragile. Je sais qu'il y a un débat sur la façon dont la nation s'est construite, en même temps aussi comment l'État s'est construit. Est-ce que c'est l'État qui a construit la nation ou bien c'est la nation dans sa forme grégaire qui a porté à la constitution d'une nation? C'est un débat dans lequel je ne veux pas rentrer. Mais compte tenu, si vous voulez, de la difficulté d'énoncer la notion de nation et du fait que, en philosophie comme en sciences politiques, on préfère plutôt parler de la citoyenneté, je m'en suis tenu justement à cette notion de citoyenneté multiple. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette distinction, peut-être un peu rapidement, mais c'est de cette manière que je l'ai fait. Alors, concernant la question de notre cher ami sur le fait de savoir si, en étant favorable à la double nationalité, il n'y a pas un risque, justement, de perte de l'identité nationale, culturelle du Cameroun. C'est ça la question. Oui, de toute évidence, il y a un risque dont, d'ailleurs, je vais parler. Mais on ne peut pas seulement parler en termes de risque, on peut aussi parler beaucoup en termes de bénéfices, en termes d'avantages acquis. J'ai également détaillé tout ça. Mais en termes de risque, concernant spécifiquement votre question, tout dépend en fait de la conception qu'on se fait de la notion d'identité culturelle. Est-ce que c'est une conception monolithique, uniforme, stable, permanente, qui ne peut pas changer? Parce que si c'est ça, votre conception de l'identité culturelle, il faut bien avoir à l'esprit que l'identité culturelle de l'Afrique précoloniale n'est pas non plus une donnée qui a traversé la nuit des temps. C'est une notion qui a évolué avec l'histoire de chacun des peuples, de chacune des nations, de chacune des tribus, si on peut dire, de chacune des ethnies en Afrique. Il y a une longue et lente évolution avec des transformations, avec des métamorphoses qui ont eu la forme aboutie qu'on a connue au moment du contact avec la colonisation. Et puis avec la colonisation, on a également assisté à une autre transformation de la culture africaine. Donc on n'a pas quelque chose de tout à fait statique. L'identité culturelle est une notion dynamique. Et donc, ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer avec justement l'ouverture vers la plurinationalité ou vers la pluricitoyenneté, c'est précisément un autre mouvement, une autre métamorphose à laquelle on va assister. Et cette métamorphose va prendre, à mon avis, une forme tout à fait hybride. Hein. On parle beaucoup d'hybridité culturelle pour dire que, en fait, l'identité peut être double, peut être triple, peut être multiple, et fonctionner de manière tout à fait cohérente. Et ce fonctionnement n'est pas un fonctionnement qui est de nature nécessairement à faire reculer ou à faire disparaître les éléments précédents ou bien les éléments qui étaient antérieurs. On peut tout à fait assister à une forme de combinaison de la façon dont les choses vont évoluer. Maintenant, je n'ai pas la garantie que cette hybridation, cette combinaison va fonctionner de manière tout à fait parfaite, que cela va se faire sans écho, sans risque ou sans dégâts. À mon avis, on va assister à quelque chose qui va ressembler à une forme de bricolage, mais qui va progressivement trouver sa voie et, à mon avis, qui doit être géré d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi je vous ai parlé des enfants et binationaux. Oui. Parce que c'est là où la cassure commence à s'effectuer. Les nationaux,
qui ont double nationalité, ça va encore. Ils restent un peu attachés à leur pays d'origine. Oui. Mais leurs enfants, comment vous allez les ramener chez eux alors qu'ils vivent ici? C'est une rupture, je vous dis, c'est presque total. Alors, mon idée, c'est que les membres de la diaspora qui vont acquérir la double nationalité, quand ils vont rentrer au Cameroun, par exemple, ils ne vont pas seulement rentrer avec leur cœur et leur esprit, hein, ils vont aussi rentrer avec leurs mœurs qu'ils ont acquis ici. Et donc, les mœurs qu'ils ont acquis ici, les valeurs qu'ils ont acquises ici, les méthodes de fonctionnement qu'ils ont acquis ici, les types de raisonnement qu'ils ont acquis ici, eh bien, ils vont le ramener en Afrique et leurs enfants qui sont dans la même dynamique vont s'inscrire dans cette dynamique. Donc, au contraire, ils ne seront pas perdus puisqu'ils auront quelques éléments de référence. Vous voyez ? Mais justement, en ramenant ça sur nous, oui, on tue nos cultures. On tue nos cultures. Si on ramène le mode de vie de l'Occident en Afrique. Voilà. Mon idée, j'ai bien compris votre question, mais mon idée, c'est de dire que justement, on ne va pas nécessairement tuer. Les deux cultures, entre guillemets, vont cohabiter. Et comment va se dérouler ou se développer cette cohabitation ? Nul ne le sait. Et ça peut même produire une forme particulière de culture qui pourrait prendre la forme de ce qu'on appelle la créolité, par exemple, et qui est tout à fait fonctionnelle, et même qui est très riche. S'il faut pour ça lire, par exemple, quelqu'un comme... Vous connaissez Edouard Glissant ? Non. Ben voilà, bon, essayez de lire un peu la créolité, justement, cette synthèse, ce syncrétisme qui a été réalisé entre la culture des peuples esclavagistes et la modernité occidentale, comment ils ont combiné ça et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné forme en fait à une puissance d'imagination créatrice au niveau politique, au niveau philosophique, au niveau littéraire, qui est absolument phénoménal. C'est un cri de dépit, de dégoût même, puisqu'il a parlé, il a considéré que avoir une conception entière de la diaspora, ce sont ces mots assez minables. Ah ouais. Ok. En fait, l'État, par essence, a une conception entière de ses citoyens. L'État fonctionne comme ça. L'État moderne. C'est la raison pour laquelle l'impôt existe. Vous voyez, et l'État se finance justement avec la rente qu'il tire justement de l'activité de ses citoyens. Vous voyez, c'est même essentiellement ça. La création même de l'imposition justement est liée à cette conception rentière, hein, malheureuse peut-être, mais c'est un fait, économique d'ailleurs et politique, c'est un fait sur lequel il faut s'accorder. Alors, mais il a tout à fait raison de dire que c'est une conception qui est restrictive, qui est négative, parce que dans une telle dynamique, c'est tout à fait, en fait, ne pas avoir suffisamment d'esprit ouvert sur la manière dont on peut convertir, en fait, cette rente autrement. Et donc, par rapport à ça, ça fait partie justement des solutions que j'avais envisagées, mais que j'ai pas le temps de développer ici. En fait, si on connaît, si on retient la logique de l'État par rapport à l'imposition, le fait d'avoir des binationaux ne signifie pas la perte de ressources. Hein. Si on perd des ressources au niveau des visas, qui à mon avis même sont des ressources qui sont tout à fait dérisoires, et même, c'est relatif, mais surtout qui sont fluctuants, au contraire, avec les binationaux, avec ce nouveau citoyen, eh bien, on a une nouvelle source d'imposition. Et donc on peut imposer, je ne veux pas choper hein, les enthousiastes de la binationalité, mais c'est un fait, on va imposer le domicile fiscal secondaire des nouveaux élus des binationaux. Oui, c'est-à-dire que si vous êtes résident, en Belgique et que vous êtes également camerounais, si vous avez la moindre activité au Cameroun, alors vous serez imposé au Cameroun. Si vous avez une maison au Cameroun, alors vous avez une taxe immobilière au Cameroun. Donc l'État peut créer avec ces binationaux qui sont 5 millions, une nouvelle source d'imposition. Voilà. Ça me semble positif, mais je vais enfin, un dernier mot, je vous donne la parole. Non, c'est intéressant de l'échanger. C'est la discussion qu'on voit vers un truc qui semble tenir la route. Hein? Parce que lorsqu'il dit que l'État est rentier par rapport aux citoyens, n'oubliez pas que l'État ne fait pas que ça. Que disent les anglo-saxons?
no taxation without participation. Absolument. L'État vous taxe, mais vous avez le droit de vote. Tout à fait. Ce n'est pas de la rente, ce n'est pas à sens unique. Oui, tout à fait. Donc ici, on va taxer la diaspora, mais en retour, vous ne votez pas. C'est vrai. Donc, il n'y a pas, ça c'est pas un état ça, ça c'est du braquage. Oui, ça c'est du braquage, c'est-à-dire nous sommes dans une situation où on vous prend tout. Un des éléments par rapport à mon frère qui disait, il parlait de la culture, ce que André vous explique est extrêmement important. Pour bien le saisir avec le mot économiste, faites la différence entre un flux et un stock. La culture c'est pas un stock. Un stock c'est une quantité disponible immédiatement et variable et ne change pas. La culture, c'est un flux, c'est un tout qui change. Et ce sont des cultures qui ne changent pas, qui meurent, qui disparaissent. Ce sont des cultures fermées qui disparaissent. C'est comme en biologie, comme la consanguinité. Faites des enfants avec vos frères, vos sœurs, vous allez voir, c'est après, ils vont ressembler. C'est la même chose. La culture coule et la culture s'enrichit en coulant. Quand vous lisez Glissant, il vous montre que la mondialisation, c'est la naissance d'un monde métis. C'est même ça la principale force des cultures. C'est ça la principale force. Regardez un peu l'Empire romain et regardez le Japon dans la conquête à travers l'histoire. Qu'est-ce que Rome faisait, la Pax Romana? Une fois que Rome vous a conquis, il vous laisse faire vos affaires, votre culture. Mais le Japon, lui, voulait mettre la cape. Le Japon n'a jamais réussi. C'est parce que Rome laissait la circulation que Rome a réussi à être puissant mondial, au niveau culturel, au niveau même de l'armée. Donc une culture qui ne s'ouvre pas meurt. Et une identité n'existe même pas tant que vous n'êtes pas mort. Je peux aller jusqu'à vous dire ça. Oui. Une identité, tant que vous êtes en vie, est fluctuante. C'est un truc voilà, qui n'est pas, qu'on ne peut pas fixer. Mais qu'est-ce qui définit l'identité d'une personne? C'est l'histoire. C'est l'histoire qui définit l'identité de la personne. Oui, vous voyez donc que l'histoire, c'est un truc... Je comprends, je trouve tout à fait intéressant le débat. En tout cas, on va soumettre cela au PCRN de nous produire régulièrement ce genre de débat. Alors, on va se tourner vers M. Simon. On l'a bien dit, on vous a écouté et on dit, eh ben voilà, ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez proposé? Avant d'embrayer sur la réponse à la question, je voulais simplement dire que moi j'ai toujours considéré qu'il y avait un rapport adultéré entre la citoyenneté et la nationalité. Dans un cas, on a l'appartenance juridique à un État et l'exercice des droits civiques reconnus comme tel dans le cadre d'un État. Et donc il y a une interchangeabilité, ce concubinage-là qui quelquefois les rend indistincts. J'ajouterais par rapport à la discussion animée que la richesse des nations est essentiellement fondée sur des stratégies de ponction confiscatoire des personnes et des personnes morales. Et à ce titre-là, je pense que l'État du Cameroun n'est pas à honnir et à jeter aux orties parce que ses fonctionnaires dans les ambassades idolâtrent cette ponction-là. Maintenant, revenons à des choses qui me semblent un peu plus sérieuses. Vos deux questions se rejoignent et c'est des questions qui me laissent vraiment pensif. Vous connaissez cette œuvre de Balzac qui se termine et la marquise resta pensive. Mais le roman se termine là et on ne sait pas qu'est-ce qu'il pensait. C'est-à-dire que si vous faites 1000 conférences, vous aurez la question qui tue. Et alors, les solutions? Et moi, je considère que ce n'est pas mon propos qui fait craquer les chaises. Donc, je considère que le débat, l'objet du débat d'idées, ce n'est pas de se transformer à une manufacture industrielle avec des alvéoles de prêt-à-penser, prêtes à la consommation. Je pense que le rôle de la pensée, ce n'est pas d'avoir raison, mais c'est d'essayer de faire entendre raison. Parce que pour un pays dont la construction est en voie d'achèvement ou qui n'est même pas achevé, qui fait face à un millefeuille de défis sécuritaires à l'est, au nord, au nord-ouest, s'asseoir pour parler de double nationalité me semble une grossière incongruité. Non pas que ce débat n'ait pas le droit, mais que ce soit encore une préoccupation.
que l'on en soit encore à se demander si des gens qui ont mangé des quantités infinies de Mintumba sont Camerounais ou pas, me semble quand même une absurdité sans nom. Et je dirais, pour abonder dans votre sens, puisque vous voulez les solutions, qu'il n'y a pas de nation dans la modernité de la mondialité qui se soit développée sans un rapport organique, structurel, fondamental avec sa diaspora. Ça n'existe pas. Lorsque Kennedy devient président, il n'en reste pas moins irlandais. Lorsque Giuliani devient maire de New York, ça ne l'empêche pas d'aller manger de la pasta en Sicile. Nous sommes à peu près les seuls à nous interroger sur le fait de savoir si quelqu'un qui a mangé le ndumba de mouton jusqu'à l'âge de 30 ans, parce qu'il a pris un avion, a perdu de manière, par une forme de modification génétique mystique, sa camerounité. Et ça me semble que ce n'est pas là l'essentiel de ce à quoi nous devrions aujourd'hui dédier nos énergies. Donc vous voulez des solutions? J'en ai une. Que la nationalité camerounaise devienne inaliénable, primordiale, essentielle. C'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce que vous ferez demain lorsque 5 millions de Camerounais n'ont pas assoiffé de pouvoir, juste dans le besoin d'aller boire un verre de vin de palme au village avec leurs parents, arriveront aux frontières du Cameroun armés jusqu'aux dents, décidés à en découdre? Je parle sur la foi de l'expérience des conflits. Et à la base de tous les conflits, il y a toujours ce phénomène de l'exclusion, ce sentiment de non-appartenance, ce sentiment de rejet. Et donc derrière ce débat que vous voulez juridique et sur lequel on s'affronte avec des arguties à en perdre la raison, résident les éléments qui demain nous amèneront au prochain conflit. J'ai dit. Merci. Voilà. Ben, nous sommes venus ce soir pour apprendre un peu plus sur cette notion de double nationalité pour la diaspora. Vous savez que c'est une question qui nous intéresse beaucoup. Le chef d'État l'avait un peu abordé à Paris. Bon, je me réjouis que des nouveaux partis aussi s'y intéressent. Donc, je me réjouis de savoir qu'au niveau du PCRN, on s'en préoccupe. Bon, par rapport aux exposés qui nous ont été faits cet après-midi, on a été assez éclairés, mais on quitte un peu avec, pas une amertume, mais un questionnement. Je me demande si à la fin, cette notion de double nationalité ne doit pas être investiguée beaucoup plus scientifiquement, si ça n'a pas été fait. Parce qu'au bout du compte, à vous suivre, il y a un gros problème juridique qui se pose. Quel est le statut juridique du binational ? Il appartient à deux pays. Vous avez évoqué tantôt la notion de contrat. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. On a cité l'exemple des personnes qui sont allées chez elles et qui se sont retrouvées un peu coincées avec cette notion, avec ce problème de souveraineté, la possibilité que les États ont d'agir sur les citoyens qui ont la double nationalité. On a évoqué le cas du... Tout à l'heure, on a parlé du Maroc. Je sais aussi que le problème s'est posé au Burundi, où le président, comme il est le feu président, a carrément décidé que ces nationaux qui étaient sur le territoire ne pouvaient pas rentrer. Tout cela dans le contexte du Covid. Toujours dans le contexte du Covid, j'aurais appris que des ressortissants américains ont été coincés au Nigeria parce qu'on ne pouvait plus, apparemment qu'on envoyait un avion, mais qu'on s'est rendu que c'était des Nigérians, des Américains d'origine nigériane, bon, on ne s'est plus intéressé à eux. Vous savez qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui coupit à Yaoundé, c'est un certain Sioui, qui serait allemand. Je ne sais pas s'il a gardé la nationalité camerounaise, mais il se retrouve dans les geôles camerounaises parce qu'il n'aurait pas respecté les lois camerounaises par rapport aux agissements de l'organisation à laquelle il appartenait. Voilà, à la fin, je me demande donc, au bout du compte, nous qui sommes très partants pour qu'on nous accorde une double nationalité pour ceux qui avaient déjà pris une nationalité étrangère, est-ce qu'au bout du compte, la double nationalité ne devient pas un piège? À la fin, j'ai demandé si à la fin, ça ne devient pas un piège.
Et là, vous posez la question... Non, aux deux conférenciers qui nous ont assez clair. C'est pour cela que je demande s'il ne faudrait pas qu'il y ait une réflexion un peu poussée sur le plan théorique pour qu'on pose, je ne sais pas si les organisations internationales se sont intéressées à la question, quel est le statut juridique du binational. Voilà. Je vous remercie. Nous avons, au niveau des ressources humaines, ici en Belgique, et même partout en Europe occidentale et aux États-Unis, une population assez riche sur le plan des capacités, sur le plan du background. Si je ne prends que le cas de la Belgique, et si je ne m'arrête qu'au corps médical, le nombre de médecins en Belgique est impressionnant. Mais socialement, on ne pèse pas. Ni dans les rapports à l'État belge, ni dans les rapports à l'État camerounais. Bon, tu parlais de la bonne diaspora, moi je parlais d'une mauvaise élite. Cette élite ne connaît pas s'organiser. Or, c'est cette élite-là qui doit s'organiser et tirer toute la société vers le haut. Elle ne fait rien. Bon, chacun vient en aide à sa famille. Est-ce que l'urgence n'est pas de commencer là, à ce niveau-là, s'organiser? Déjà dans nos rapports à l'État belge et après dans nos rapports à l'État camerounais. Bon, la deuxième question, c'est la manière dont la diaspora est perçue au Cameroun. Les rapports à la diaspora suscitent des réactions très très diverses, parfois contradictoires. Elle est parfois admirée, parfois elle suscite de la méfiance et même du rejet. On observe même ces dernières années un phénomène que j'appelle la diasporaphobie, la haine de la diaspora. Bon, quelle lecture faites-vous des animosités qu'elle suscite? Au-delà des racines politiques du phénomène, le fait qu'il y a une diaspora contestataire, est-ce qu'il y a, avez-vous une lecture sociologique de cette diasporaphobie? Voilà, merci. Solange Bourguignon, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et je suis particulièrement ravie d'avoir assisté à ce débat très très instructif. Ma question s'adresse au docteur André. Vous avez tout à l'heure semblé, si j'ai bien compris, nous faire comprendre que la problématique de la double nationalité ne concernait pas la femme camerounaise. Est-ce que vous pouvez nous apporter des informations plus claires dans ce domaine? Je vous remercie. J'aimerais d'entrer dire que les questions qui ont été adressées à mon collègue tantôt, disant qu'on voulait une solution concrète, sont des questions que je n'entends tout le temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, je crois qu'on a affaire à un public différent. Les jeunes en Occident, j'ai fini un cours d'économie, un cours de théorie du développement, et à la fin du cours, les étudiants me disent, ils lèvent le doigt, « Monsieur, oui, on a compris, vous avez bien expliqué. » Qu'est-ce qu'on fait à l'université? C'est-à-dire, nous sommes face à un public estudiantin complet. C'est-à-dire, il ne veut plus des analyses. Il ne veut plus. Ils me disent bien, on a compris. Ils veulent du concret. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Nous appelons ça à l'ONU. Et chaque fois, je suis désarmé. Parce que j'ai beau dire aux étudiants, c'est pas mon travail. C'est pas mon travail. Alors, j'ai trouvé une parade. Qu'est-ce que je fais? Si je fais un cours sur la théorie des organisations, j'invite des gens qui sont sur le terrain, qui viennent vous parler d'expériences concrètes. Alors, ils vous racontent ce qu'ils ont initié, comment ça marche, quels sont leurs problèmes, parce qu'eux, ils sont sur le terrain, ils appliquent des choses. C'était une façon de dire que la réaction que vous avez est tout à fait normale. Et c'est une réaction, je crois, qu'elle est aujourd'hui de plus en plus intégrée par l'université. On invite des gens des ONG, on invite des professionnels de terrain, pour qu'ils viennent raconter des expériences concrètes aux étudiants. Non, je disais que c'était une idée assez intéressante. À New York, par exemple, moi, je faisais partie d'un programme qui a été mis en place par le maire, qui s'appelait Global Classroom Speaker. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous prennent et nous amènent dans les salles de classe, surtout dans les quartiers difficiles, mais aussi dans les universités,
où on témoigne de notre expérience, de notre expertise, de notre présence sur le terrain, la façon que l'on a d'organiser les réunions au sein du Conseil, l'Assemblée générale, Conseil économique et social, les différentes missions que nous avons sur le terrain. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus admis dans la tradition anglo-saxonne des enseignements. Et justement parce qu'il y a cette préoccupation des fanatiques de la solution, et je pense que je ne suis pas un peu. J'essaie d'introduire un trait d'humour puisque nous sommes à la fin d'une longue journée, d'un long échange. Mais l'idée que je voulais ajouter, grosso modo, c'est que quand on est un pays qui est aussi fragile, c'est presque criminel de se priver d'une partie de ses ressources. Parce que la colonialité dont nous avons hérité l'État que nous avons aujourd'hui, dont nous avons hérité l'État, a pratiqué, comme vous l'avez vu, avec le vol de l'art, l'assèchement des ressources vitales. Mais ce n'est pas simplement l'assèchement des ressources vitales, c'est le manganèse, c'est le bauxite, c'est toute une série de choses qui nous ont appauvris. Et que nous soyons aujourd'hui dans une stratégie fondée sur des antagonismes factices, alors que la plupart des États, quand il y a des professeurs, il y a des États en Afrique, ce n'est pas seulement Kagame, qui vont aux États-Unis et qui proposent à des citoyens africains, puisqu'on ne vous aime pas chez vous, venez chez moi. Et je connais, j'en discutais l'autre jour avec le président Thabo Mbeki, et qui voulait être médiateur dans la crise camerounaise et qui se moquait un peu du Cameroun parce qu'il trouvait que c'était anormal qu'un pays avec autant de talent ne puisse pas capitaliser sur la captation de ces intelligences pour les mettre à la disposition du développement du pays. Et il me disait, mais vous avez des guerres partout et vous avez toujours des gens chez vous qui sont combattants avec un béret, une baguette dans le métro à Paris. Mais que ces gens-là aillent se battre au nord du pays, on verra ce que c'est qu'un vrai camp. Il dit, mais nous, on a fait la guerre contre les racistes et nous avons éliminé l'apartheid. Nous méritions le titre de combattant. Mais quand vous avez cette ressource locale, vous vous battez avec la double nationalité, vous vous battez entre tribus. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle la pornographie de l'inimitié. Non pas que j'aime répéter ce mot ou que j'ai quelques acquaintances avec la pornographie, mais je pense que ça devient tellement grotesque qu'on est obligé de caricaturer ça de cette manière-là. Lorsque vous devenez américain, vous venez avec votre passif camerounais, ou enfin votre richesse culturelle camerounaise, et vous vous agrégez à une société, vous y apportez de la richesse. Mais cette obsession sur la différence, alors même que personne ne nous aime nulle part, c'est ça qui me semble incongru. Continuer d'investiguer ou de dédier nos énergies pour savoir c'est quoi le binational, pour moi, à mon avis, c'est une perte de temps. Et vous avez demandé la solution, rendez la nationalité camerounaise ou à l'Est, non pas dans le sens hitlérien, mais qu'elle soit primordiale, qu'elle soit au-dessus de toutes les autres et que quand on l'a acquise, on ne la perd pas. Et je pense que ça sera déjà un début de solution parce que la citoyenneté et la nationalité ont des droits et des devoirs. Maintenant, pour les ayatollahs de l'exclusion, il y aura toujours des gens qui seront dans la détestation des gens parce qu'ils ont traversé un cours de fleuve, parce qu'ils ont pris un bateau, parce qu'ils sont allés, je ne sais pas, respirer un air qui est différent. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qui a changé en moi depuis que je suis parti du Cameroun. Et de toute façon, je ne suis pas dans une posture de demande par rapport à l'État camerounais pour dire « pardon, accordez-moi la nationalité ». Puisque je l'aurai toujours jusqu'à la fin de mes jours. Donc, on va arriver à un niveau où on ne va plus demander. Et je pense que l'erreur que nous faisons, c'est de considérer que quelqu'un peut nous déposséder de ce quelque chose qui est essentiel. Il n'y a rien de plus essentiel que ce morceau de terre où nous sommes nés, de manière spirituelle, concrète, physique. Et ce lien fondamental, pour moi, ne peut pas être brisé par la caricature de l'idolâtrie des papiers. Donc je vais m'arrêter là. Ouais, merci. Merci. Donc, voilà, pour continuer donc dans ce que je disais, et j'étais en train de vouloir faire une analogie entre le public estudiantin et un parti politique. Le parti politique est aussi dans une posture, il veut des solutions. Il est dans l'action. Vous voyez ? Donc ça entre aussi en contradiction avec la pensée. Parfois la pensée s'achève en queue de poisson. Parfois. Et on trouve que bon, vous êtes des bavards, vous racontez des machins, il n'y a pas de solution. Et je voulais insister sur le fait que lorsqu'on pose une question, on peut adopter la méthode de la satire.
On peut adopter la méthode qui consiste à faire une dérision. Oui. C'est-à-dire à montrer à ceux qui posent la question, à ceux qui sont de l'autre côté, que tout simplement ils sont cons. Et que la question c'est un piège à cons. C'est une façon de déclasser complètement le débat pour dire vous nous amenez ailleurs. C'est une technique, c'est une méthode de réflexion qui existe. Et ce n'est pas un truc qui va vous donner des solutions, mais qui va tout simplement vous montrer que vous nous mettez en boue. Ce n'est pas ça la question qu'il faut poser. Bon, il y a un monsieur qui dit qu'il sortirait d'ici avec un questionnement, parce qu'on n'a pas peut-être satisfait à ce qu'il attendait de s'exposer. Je lui dirais que c'est très bien. Lorsque vous suivez un exposé et que vous rentrez avec des questions, il est réussi l'exposé. C'est magnifique. Si vous rentrez avec des réponses, méfiez-vous. Méfiez-vous. Mais si vous rentrez avec des questions, ça veut dire que vous allez encore chercher, creuser. Ça veut dire que les gens ont ouvert des pistes. Ou vous pouvez vous poser de nouvelles questions. Les questions sont plus importantes que les réponses. Est-ce que la nouvelle nationalité, la double nationalité est un piège? Je vous demanderai pour qui en fait. Pour celui qui la veut. Pour celui qui la veut. Oui. Le oui, moi je vous donne mon avis. Je trouve que la double nationalité dans le monde actuel est un atout. Et que la double nationalité et même la reconnaissance, si on va aller dans le sens anthropologique du terme, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas enlever à quelqu'un. Qu'il y a des choses qu'on ne peut pas enlever à quelqu'un. Ça c'est vraiment ma façon de lire ça. Et que lorsque moi je me retrouve au Cameroun, si je suis à la fois Camerounais et Français, je ne pars pas au Cameroun pour braquer le pays, pour dire que le Cameroun va me mettre en prison pour. Voilà, parce que je viendrai voler. Non. Encore que. Encore que. On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Hein? Peut-être même que. Oui. Peut-être que je peux braquer et la France vient dire ben là, ce type-là, quand même, on le connaît ici. Il n'a jamais braqué ici. Comment est-ce qu'il vient braquer chez vous? Donc, moi, je trouve que c'est un atout. Il y a sûrement des risques, mais je trouve que c'est un bon risque. Il y a de bons risques et de mauvais risques. La double nationalité est un bon risque, à la fois pour nous et pour le pays lui-même. Et pour le pays lui-même. Voilà, je vais laisser la parole à mon collègue. Cette affaire de diasporaphobie, hein? Je trouve que le terme n'est pas bien choisi. Parce que la phobie veut dire une peur injustifiée. Hein? Concernant la diaspora, ce n'est pas du tout injustifié. Lorsqu'on voit quand même l'autre diaspora, comment elle est assez remontée, hein? Et qu'elle veut descendre le régime actuel, c'est pas de la phobie, c'est une peur fondée. Hein? Et pas toute la diaspora, parce que là, on est dans un ensemble, on nous met tous dedans. Hein? Il y a une diaspora qui s'est organisée de façon assez militante, de façon assez offensive, de façon assez opposée, hein? Et de façon assez, comment je peux même dire, belliqueuse par rapport à l'État. Les combattants. Voilà, donc cet État-là, je crois qu'un État se protège. N'oubliez jamais ce que disait Pasqua. Pasqua nous disait chaque fois, n'oubliez pas que la démocratie s'arrête, là où commence la raison d'État. Donc, lorsque l'État sent qu'il est en danger, il devient un monstre froid, comme disent les philosophes. Je commence par la question Solange, qui évidemment est une dame, donc si vous permettez, je réponds. Alors, la question, en fait, pourquoi j'ai dit à un moment donné que la femme camerounaise n'était pas concernée par la question de la double nationalité? En fait, c'est vraiment l'article 32 de la loi du 11 juin 1968 qui dit, et je vais vous lire l'article, il est très court, comme ça on comprend, parce que dans la plupart des cas, les femmes elles-mêmes ne sont même pas au courant en fait de l'existence de cet article de loi. Pourtant c'est fondamental. Voici ce que dit l'article. Article 32, première alinéa, la femme camerounaise qui épouse un étranger conserve la nationalité camerounaise. Attention, à moins, et c'est la suite qui détermine, à moins au moment de la célébration du mariage et dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants de la présente loi, répudier cette qualité. Donc elle conserve cette qualité, sauf si elle y renonce à elle-même. Très important. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je disais que ce n'était pas concerné. Voilà. Et donc voilà, c'est un atout dont il faut faire usage, hein. Il ne faut pas tout de suite considérer que vous êtes exclu. Oui. Les hommes doivent se débrouiller autrement. Alors, je pense que mes collègues, mes brillants collègues, mes très estimés collègues, hein, ont déjà répondu à toute une série de questions. Je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Tout à fait. Ma question de la méfiance vis-à-vis de la diaspora, je pense qu'on a quelques éléments de réponse. Je n'ai pas de réponse au niveau de la clé des réclus
sociologique que tu me demandes, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser le phénomène et chercher à trouver des réponses. Mais c'est une question tout à fait pertinente. Mon avis mérite d'être approfondi. Donc, je n'ai pas fini, monsieur Arnaud. Non, et je voudrais que le silence se fasse pour qu'on vous écoute. Justement, merci beaucoup. Merci. Alors, donc. C'est un ami. On est du même côté. En tout cas, de temps, on est le spécialiste des conflits. Ok. Alors, je finis en disant, concernant la question, en fait, la préoccupation d'abord de M. Hatt. Oui, très important, ils ont essayé de répondre avec beaucoup d'intérêt. Mais la question se pose, effectivement. C'est ce que j'ai fait l'effort de démontrer dans la présentation. Il y a une réelle ambiguïté dans la situation. C'est-à-dire que si on ne prépare pas de manière sérieuse, approfondie, cette question-là, en croyant que juste en modifiant un ou deux articles de loi, la question est réglée, on se trompe. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut un cours de nationalité qui est préparé de manière détaillée pour à la fois préserver les droits et les obligations. Et dans les droits, il faut toujours penser à protéger les personnes qui sont de nationalité étrangère. C'est très important. Parce que quand on va perdre... quand on va acquérir la double nationalité, je vous l'ai dit, j'ai répété, c'est important, on va perdre la protection consulaire. Et ça, c'est extrêmement important. Si, j'ai plus l'exemple, peut-être que vous l'avez pas suivi, si Michel Thierry Atangana n'avait pas cette protection, il aurait eu... Oui, vous comprenez. Donc, il faut aménager cet aspect. Donc, il ne faut pas courir après la double nationalité sans que ces éléments-là ne soient pris en compte et préservés. Faut pas, vous avez raison, il ne faut pas se jeter dans la gueule de nous. Hein. Ouais. Voilà, c'est très important. Et donc, voilà. Concernant la question de Ben, très importante, je pense qu'elle est, en fait, elle est au début de tout. L'absence d'organisation de la diaspora est un problème. C'est même le principal problème. Et ceux qui espèrent que l'État va organiser la diaspora pour après collaborer avec lui, il se trompe. Parce que si l'État le fait, je suis une personne de l'État, je vous dis comment l'État fonctionne, comment il raisonne, comment le président Poubia raisonne. S'il le fait, il va le faire à son avantage, vous comprenez, pour mieux vous contrôler, pour mieux vous dominer, pour mieux vous rançonner. Donc vous avez intérêt, en tant que membre de la diaspora, à vous organiser d'abord entre vous, avant de franchir le pas vers le rapport avec l'État. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci pour moi, le temps. Je pense que nos intervenants, nos panélistes, nous ont apporté tout ce qu'on attendait. Il y a encore beaucoup de questionnements. Il y a d'autres qui rentrent d'ailleurs avec beaucoup de questionnements. Ce n'est pas la fin. Nous vous remercions vraiment pour cette participation. Je profite pour remercier la présence de tous ceux qui sont venus. Nous allons continuer avec cette sensibilisation. On va vous annoncer la suite de notre programme et de nos activités. J'ai une impression positive, c'est-à-dire je remarque que l'assistance a réagi positivement au thème. Donc c'est un thème qui préoccupe beaucoup les populations camerounaises, la diaspora. Voilà, et puis j'ai une bonne impression aussi des questions qui ont été posées, des questions importantes qui demandent de la précision. Les gens sont inquiets aussi pour leur avenir, parce qu'ils... Il y en a qui ont des projets chez eux et des projets de rentrée chez eux. Donc je sors de là avec une idée d'un homme satisfait d'avoir assisté à un débat intéressant qui traite d'un problème qui concerne le Cameroun et les Camerounais. C'est-à-dire, si la diaspora veut mériter la satisfaction de son désir, il faut qu'elle s'organise de façon à pouvoir construire un rapport de force, de façon à pouvoir convaincre l'État camerounais, voilà, de sa volonté de participer entièrement et amplement au développement du pays. Donc cette diaspora-là est invitée à s'organiser pour justement mieux se vendre et mieux expliquer au gouvernement camerounais toute sa volonté de vouloir participer à la bonne marche du pays. Donc voilà, et je pense que la double nationalité est un risque positif à prendre, à la fois pour l'État camerounais, s'il veut être un État moderne, efficace dans la mondialisation, et pour sa diaspora, si elle veut aussi être une diaspora moderne et efficace dans la mondialisation.
Écoutez, je suis vraiment très enthousiaste après cette séquence de discussion avec les membres du parti, le PCRN. On a eu vraiment l'occasion d'échanger de manière extrêmement vive, extrêmement riche. Et on sort de là avec la conviction que la question de la double nationalité est une question qu'il faut trancher, qu'il faut régler, mais qu'il faut le faire avec prudence, qu'il faut le faire avec sagesse, pour que cela se passe dans l'intérêt à la fois de l'État du Cameroun, mais aussi des membres de la diaspora. Parce que de part et d'autre, il y a à la fois des obligations, mais également des droits. Il faut les tenir ensemble et les conduire de manière tout à fait équitable. Donc il y a un intérêt à aller très loin dans ce projet-là, mais il faut le faire avec toute la prudence requise. Si je peux me permettre d'avoir un avis tout à fait modeste par rapport à cette question, c'est, comme on l'a dit pendant le débat, c'est vraiment qu'il faut que la diaspora s'organise. Et qu'elle s'organise intelligemment, pas nécessairement dans l'affrontement. Quelquefois l'affrontement est nécessaire, mais l'affrontement n'est pas absolu. L'affrontement n'est pas la seule modalité de relation qu'on peut avoir avec une autorité. On peut également négocier, on peut discuter, on peut se concerter. Et dans la concertation, dans la discussion ou bien, je dirais, dans la négociation, ça n'empêche qu'il y ait des rapports de force à partir desquels on peut effectivement chacun défendre sa position. Donc, tous ces éléments-là sont nécessaires à mobiliser et la diaspora a tout à fait intérêt à rentrer dans cette dynamique et à sortir de la seule logique de la rue pour embrasser les logiques, je dirais, de négociations les plus élaborées, les plus civilisées, qui, à mon avis, sont souvent les plus porteuses en termes de résultats et en termes de réussite. Prochain rendez-vous, 2 août 2020, à Charleroi, avec le PCRN, l'antre de l'avenir.